Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut bien le célébrer? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, prophet. Happy birthday to you. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur de gloire? J'aimerais qu'on puisse lui remettre son gâteau. Il est très gros comme la Bible là. It is as big as the Bible. Avec sa photo dessus. With his picture on it. Divine Grace a voulu lui faire cette surprise. Divine Grace wanted to surprise him. Pour vous dire que nous vous to aimons tell beaucoup. You that we love you so much. C'est très beau le message. The message is very great. Vous comptez beaucoup pour nous. You count for us so much. Vous nous êtes très précieux. You are so precious to us. Et nous voulons vous dire and de tout cœur, nous sommes ensemble hearts, avec vous. We are together with et nous you, célébrons ce temps ensemble avec time vous. Together with you. Nous allons partager le gâteau we're à la fin du culte, the cake at the end of the service, en même temps que le gâteau d'anniversaire de Divine Grace. And also for the, with the on peut aussi chanter Happy Anniversary to Divine Grace. Hein? Can we also sing happy to Divine birthday Grace? To you, to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us, Divine Grace Gathering. Happy birthday to yeah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur can de gloire? For the God of glory? Nous pourrons nous rasseoir. You may be seated. Il y a des gens qui ont envoyé des messages spéciaux pour le prophète. People send special messages for the prophet. Pour son anniversaire. For his birthday. Alors nous voulons juste voir ces messages we want to see those messages. Et puis nous allons écouter un témoignage et la parole de Dieu nous God. Sera donnée. It will be given to us. J'aimerais qu'on se tourne juste vers nos écrans. Pour ton anniversaire, je remercie grandement Dieu. Je me souviens quand tu étais dans le ventre, personne, et même les docteurs ne croyaient pas que tu allais vivre. Mais Dieu savait que tu seras un grand serviteur dans ce monde. Quand tu étais sorti, mon ami, tu t'es encore enfoncé une graine de haricot qu'on ne croyait. Moi, je ne croyais plus que tu allais entendre. Mais aujourd'hui, tu entends ce que Dieu te dit avec la même oreille. Seigneur, je remercie grandement le Seigneur pour ça. Il avait un projet avec toi et moi, ta maman, je ne savais pas. Et aujourd'hui, tu es devenu même mon père spirituel, pas seulement moi, mais le monde entier, la nation entière. Bon anniversaire
Joyeux anniversaire et que Dieu t'ajoute beaucoup d'années, longue vie et qu'il t'élève, que tu sois un prophète par excellence. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Amen. Salut, prophète Joe Grâce, le pasteur Patrick Kasongo ici à Dallas. Nous sommes vraiment, vraiment ravis de prendre un moment juste pour vous célébrer et célébrer encore cette grâce que l'Éternel vous a permis de vivre et de voir encore une autre année s'ajouter dans votre vie. We really pray that heaven be open, that you may receive more than the blessings and the gifts of man, that the gifts of heaven be bestowed over you all throughout this new year that God has given unto you. May you be celebrated, that every desire of your heart may be fulfilled. We're so delighted about the connection that God has allowed us to have together, and we're looking forward to the work that we'll do even this summer. But until then, let this day be a special day for you. Happy birthday from my family, from our church family. We truly, truly wish you the best of best birthday. We love you, and until next time, we'll see you. Happy birthday. Birthday prophet, may God bless you abundantly. We just wanted to let you know how much we love you and how much we appreciate you. May you have many more as you continue to serve God in the ministry that He's given you. It's such a blessing to have you in our lives and to serve under such good leadership. You are a true inspiration to many, and we can't thank God enough. 40 is a big milestone, so we couldn't let this opportunity pass by but to celebrate with you. And I just pray that God's grace and favor would be over you. I pray that He would pour a fresh anointing over you. And I just pray that He would elevate you to another level. And I pray that He would surprise you more this year. We love you. We appreciate you. Happy birthday and enjoy your special day. Cher PDG, nous bénissons Dieu pour ta vie. C'est une grâce de t'avoir, une grâce de t'avoir pour père, une grâce de t'avoir pour grand frère. Et ma prière est que cette année soit une année de gloire pour toi, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de la bénédiction que tu es pour plusieurs familles, pour le ministère, le corps du Christ et particulièrement pour moi, continue de couler dans ta vie. Je prie que le Seigneur te fasse du bien, mais surtout qu'il t'accorde tous les désirs de ton cœur. Je t'aime énormément, je t'aime beaucoup, beaucoup, et j'espère que cette petite vidéo te fera plaisir. Encore une fois, bon anniversaire et que le Seigneur... Bon anniversaire, PDG, que Happy Dieu birthday, vous bénisse. May God bless you. Alors, juste quelques 2-3 minutes, nous voulons écouter un témoignage. Like et c'est notre fête, hein? It is our vous êtes pressé right? de partir? Qui est pressé de partir? Who's in a hurry to go? Personne. Aidez-moi à accueillir Maman Jenny. Help me welcome Maman Jenny. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. May the Holy Spirit take control. Ok. Pour commencer, j'aimerais d'abord to begin, saluer like avec tout mon respect to greet with all of my le respect, prophète Joe Grace, prophet Joe Grace et sa femme, and his Mama wife, Yolande. Mama Yolande. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui me connaissent. There are many here who know me. Que je connais depuis longtemps, que je connais ici à l'église time, ou avant. Or just here at mon, the church. Mon témoignage va être juste court parce que my si je commence, ça va vraiment short, être if I begin, un livre. Mais malheureusement, book, on n'a pas assez de temps. Je suis vraiment très fier I'm de parler. C'est la première fois que je viens prophétiser. Et je viens, sorry. Oui, yeah. Je vais. Effectivement, voilà. Bon, justement, je vais prophétiser aussi parce que avant de venir aussi, Dieu m'a parlé même tout à l'heure que c'est que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour Noëlla Mabaya. Noëlla Mabaya. Dieu va te bénir. God will bless you. Ok. Bon,
Mon témoignage, my testimony, ça date de deux ans, ça va faire deux ans, been 2 years, au mois de février. In February, la date, je ne me rappelle plus. I don't remember. Malheureusement, je ne vois pas maman Jackie. I don't see maman Jackie from Shining Women. Mais je pense que ses enfants sont là. But her children are here. Ça fait deux ans que c'est là. 2 years ago, c'était dans une convention de prière de Shining Woman. Shining Woman Prayer Conference. J'ai été invité par maman Jackie qui avait vraiment beaucoup insisté que je puisse aller là-bas. Et quand je suis parti, went, c'est la première fois que je l'ai vu. C'était avec prophète Joe Grace. It was the first time with prophet Joe Grace. Et c'est la première fois que je l'ai vu. It was the first time for me to see him. Nous étions en train de prier. We were praying. J'avais porté une chemise rose avec un pantalon noir. A shirt that was pink. Je commençais à sentir ma main ici, ma main gauche. I felt that my left hand. Il tente de me gratter. Bon, mais je priais, je faisais ma main comme ça. I was just my hand. Et après, le prophète Joe Grace devant qui dit, maman là-bas, said, avec la chemise rose, she's wearing pink. Ta main est en train de te gratter, your hand is itchy. Viens ici devant. Come forward. Maintenant, je regardais à côté de moi, je regardais. Et puis, elle me dit, vous. And he said, you. Après, je suis parti devant. And then I went forward. Je pense que la sœur Mignonne était là aussi ce jour, si je ne me trompe pas. Après, il a arrêté, il a commencé à parler aux and autres personnes, stopped, je vais un peu abréger. People, après, il me dit, me, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie, I know many things mais Dieu veut in te life, bénir. But God wants to bless j'ai you. Juste dit Amen. I just said amen. Ben, pour les gens qui me connaissent, for those who know me, je suis une mère de 3 enfants, I'm a mother of Julia, William children, et Brian. Julia, Brian and William. J'étais mariée, I was married, divorcée. Divorced. Une année et demie après, a year and a half later, non, oui, ça fait 2 ans maintenant, effectivement. Been 2 years now. Non, mais il est mort, je pense, 18 mois ou quelques mois, he une died année et demie. 18 le père de mes enfants, the father of my children. Bon, je suis resté, j'étais là, bah, je me suis dit, de toute façon, j'étais déjà divorcé. I told myself, but c'est I pas grave, mais Dieu sait, lui okay, sait. But God, he knows. Lui, il m'a parlé de ça, le prophète Joe Grace, il m'a parlé Joe de ça, il m'a dit, le père de tes enfants est mort, là, là, là. Your father, voilà, your children's father mais Dieu va away, te bénir. God will bless ben, il a un peu parlé d'autres choses après. And then he spoke ça s'est passé. Things. Il m'a dit, je ne te dis pas que me, tu vas te remarier ou tu vas te marier, mais again, Dieu va faire dans ta God vie. Will do in your life. Nous sommes arrêtés là. And then we stopped quand there. Je suis rentré, bon, après il a prié, puis je suis rentré. He prayed and I went back. Quand je suis reparti, when I went back, parmi les gens among the people, qui ont parmi les premières personnes qui ont fait que la garnison de prophètes soit à Toronto, j'y étais. Donc quand il est venu, la deuxième fois que j'ai vu le prophète Joe Grace, ça s'est arrêté. La deuxième fois, c'était à l'église Emmanuel Church de pasteur prophète Daniel Katunda. Donc, quand, après avoir vu prophète Joe Grace au Shining Woman, moi et une sœur à moi, sister, on a parlé au prophète Daniel. En tout cas, on aimerait Daniel vraiment aussi inviter ce pasteur. En bref, le pasteur Daniel, comme il était aussi d'accord avec and ça, Daniel on a invité prophète Joe Grace. J'étais la première personne quand il est venu à l'église à l'accueillir là où il était à l'hôtel. Quand il m'a encore vu, and then when il m'a dit, madame, again, vous êtes bénie. He said, you are blessed. J'ai dit, amen. I said, amen. Bon, après, j'étais au service de protocole. After I was in the ushering team. Et après, and afterwards, je vais juste montrer une photo. I would like to show a picture. Ce jour-là, that day, j'avais pris cette photo. Bah, c'est pas moi. C'est le beau-frère du frère Hervé. Hervé. C'est son beau-frère qui avait pris cette photo. C'est moi et prophète Joe Grace. Prophet c'était Joe une photo Grace plus par hasard comme ça, là, on s'était là à la main, blue, juste après avoir parlé, après avoir prêché à l'église Emmanuel Church. Mais ça ne me disait rien, je gardais juste la photo, bah, c'est une photo qu'on m'a donnée. Après, après avoir fait tout, il a prêché à l'église et puis c'est fini et tout, on devait maintenant se rencontrer avec lui. Personnellement, famille par famille, I met with him personally. On est allé le voir à l'hôtel là où il était logé. To see him at the hotel je suis parti avec mes staying. Enfants et moi. I went with the children. Il nous a parlé, he il a prophétisé sur nous, il m'a encore répété, maman, he told me, mama, Dieu va te bénir. God will bless dans you. 2 ans, in 2 years, Dieu va te bénir. God will bless juste you. 2 ans après, tu just vas voir, Dieu va te faire du bien. After, God will do you good. Il a prophétisé pour ma fille, mes deux garçons et tout. C'est fini. And it ended there. Bon.
Maintenant, quand il m'a dit ça, et puis, moi j'ai demandé, prophète, est-ce que je vais me marier? Am I going to get married? Et puis il me dit, oui, and tu vas te marier, yes, et avec l'homme que tu veux. With the man that you want. Il m'a dit, ouais, tu vas te marier, Dieu va te faire, Dieu va te faire grâce, et selon ce que toi tu vas demander à Dieu, c'est ça qu'il va faire aussi, que tu vas recevoir. J'ai dit, amen. Maintenant, j'ai dit, ok, maintenant qu'est-ce que je veux faire? I said, what will I comme do conseil, now? Je vous donne. Quand on prophétise sur vous, ce n'est pas juste qu'on va on te prophétise et puis après tu restes calme, c'est fini, tu dis ouais, ça va venir. Non, like on prophétise that. Sur toi, il faut maintenant commencer aussi à prier, demander à Dieu pour que ça puisse se réaliser. So effectivement, lui m'avait dit, maman, me, il faut Mama, beaucoup prier, persévérer dans la prière. Et à chaque fois, je prenais cette photo, and ce que je disais à mon Christ, je dis, Seigneur, said, moi aussi je veux un homme. Pas seulement un homme qui prie, parce que prier c'est vague, tout le monde prie. Je dis Seigneur, je veux un homme comme prophète Joe Grace. Je veux un homme comme prophète Joe Grace. Maintenant j'ai prié avec de précision. C'est ça. Hier quand il était en train de dire avec la fille qu'il a donné l'exemple au Congo qui dit cette montagne je la veux. Vraiment là je vous dis c'est vrai. Quand vous voulez quelque chose. Il faut vraiment être précise, Dieu va le faire pour vous. Je pense à plusieurs fois que j'ai modéré ici, je dis toujours chaque fois, c'est bien de prier, mais il faut craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, il va aussi te faire du bien. Bon, alors, avec ma photo, chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, c'est prophète Joe Grace qui m'a présenté chez le prophète Rema. C'est ainsi que j'ai connu le prophète Rema et puis ainsi de suite. J'avais envoyé même la photo à prophète Rema. J'ai dit, prophète Rema, moi, je veux un homme comme prophète Joe Grace. Et sur mon WhatsApp, la plupart des gens qui ont mon numéro et qui sont avec moi sur WhatsApp, regardez, voyez cette photo et il y avait même des gens qui me disaient, c'est ton mari? J'ai dit, oui, c'est mon mari, said, yes, mais ce n'est pas mon mari, mais c'est mon mari parce que j'aurai un homme comme lui. Et la même histoire, j'ai dit ça au prophète Rema, je l'ai envoyé la photo. Entre parenthèses, ne faites pas cette prière. Hein. Ouais, mais parce que ça dépend. C'était ma saison et c'est ma It saison. Hein. Season. Ah ouais. Bon, en bref, ouais, je priais toujours avec ma photo. Et je disais, moi, je donnais des précisions. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'avoir un homme que je ne connais pas, que je dois encore commencer la vie avec lui. Seigneur, je veux vraiment quelqu'un que je connais, au moins, que je connais vraiment, comme ça, je ne veux pas avoir honte comme ça. J'ai demandé ça avec des précisions au Seigneur, mais toujours avec la photo du prophète Joe Grace. Dieu, comme il est bon, en bref, Dieu est bon. Deux ans après, je vais juste couper maintenant. Deux ans après, j'étais déjà en contact avec quelqu'un, I was already speaking un proposant, to someone. Ben, un proposant, on parlait déjà, we're already speaking. Lui aussi il prie à ICC He Bruxelles, ICC in Dieu a fait grâce, on se parlait, et puis c'est quelqu'un que je connais depuis, on avait 14 ans, au Congo, on a étudié ensemble, on se connaissait, mais comme Dieu fait ces choses, d'autrement, on se connaissait très bien, on avait 14 ans, mais on s'aimait, vous voyez les aimés là du Congo, des je t'aime et puis toi tu fais des choses comme ça. Maintenant moi, quand il m'aimait, moi j'étais comme, oh non. When he was interested in me, I wasn't. Ça se passe en bref. On s'est rencontrés encore après. On se parlait, mais il n'y avait même pas l'idée. On parlait même de Dieu, mais il n'y avait même pas l'idée que non, un jour, quelque chose va arriver. Mais Dieu est bon. En bref, deux ans après, la prophétie du prophète Joe Grace se réalise. Et ce qu'il y a encore vraiment plus, and what's even amazing, prophète Joe Grace est venu le 29 janvier. Came on the 29th of January. Spirituellement, il est déjà mon mari parce que Dieu l'a déjà prouvé. He's already my non husband, pas seulement par prophétie, because it's been proved, mais par le rêve aussi. Parce que Dieu m'a confirmé par rêve et Dieu l'a confirmé aussi par rêve. Ok, donc. C'est cela l'autre fois quand prophète Rema disait Yehoyo par prophétie. Par prophétie, moi j'ai complété par rêve aussi les deux en même temps. Donc, prophétie de Joe Grace et Dieu l'a confirmé aussi. Bon, ce qui encore Dieu a confirmé,
Il est venu dans le même avion avec prophète Joe Grace. Malheureusement, prophète Joe Grace était de l'autre côté et puis lui était de l'autre côté. Il n'avait pas moyen de se voir. Ben, il l'a vu parce que j'avais envoyé la photo. Deuxièmement encore, aujourd'hui, c'est son anniversaire aussi. Bon. Est-ce qu'il peut se lever? Le frère Jeannot, venez devant qu'on puisse vous saluer. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Can we welcome him well? Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Elle a prié sur la photo. We prayed over the picture. Il est là. Here, serviteur de Dieu, servant of God, chaque fois qu'elle me voyait, every time she saw elle me montrait toujours la photo. Prophète, tu as vu cette photo. Je me marierai à quelqu'un comme prophète Joe Grace. Like je veux qu'il soit serviteur de Dieu. Deux, élancé comme lui. Tall, like et puis him. Trois, ils and sont three, nés le même jour. Donc, elle priait sur la photo, mais le message s'est accompli exactement comme elle le voulait. Exactly je veux dire à quelqu'un, le panier tourne encore. Le panier circule encore. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un autour de toi que le panier circule encore? Alors ils vont rester juste là. Je vais. Ouais, juste pour terminer. Just to close. Tu vois? Donc juste pour terminer, comme j'ai dit, spirituellement, c'est déjà tout conclu. Peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais par la grâce de Dieu, et ce jour-là, c'est là que je dirais « Yehoyo ». Physiquement maintenant, spirituellement, c'est déjà conclu, mais physiquement, ça va être bientôt. Amen. Amen. Bientôt là, nous allons célébrer la grâce de Dieu. J'aimerais juste qu'on prie pour eux, que Dieu bénisse leur vie. Le processus et tout le reste au nom de Jésus. Father, release your blessing over Mama Jenny and over your servant Jeannot. Nous prions que tout le processus de dot, mariage civil, religieux, puisse se passer par ta grâce et que cela soit une bénédiction pour nous et pour le corps de Christ. Tu l'as accompli pour elle, mais tu l'accompliras pour beaucoup d'autres d'entre nous parce que tu es Dieu. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aidez-moi, Église, help me, church, à saluer avec joie et à accueillir l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace Mwenze. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, mettons-nous debout, juste nos mains droites en l'air. Nous allons dire au Seigneur, fais-nous grâce. Grant us grace. Bénis-nous par ce message. Bless us through this message. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prions. Let's pray. Rabrashike. Entre tes mains, Seigneur. Into your hands, Lord. Ori abrashike. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'ai. J'abandonne le monde.
Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Retournons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 60. Je voudrais commencer par rendre grâce à Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Juste pour quelques minutes. Just for a few minutes. Merci. Thank you. Ésaïe chapitre 60, nous allons lire les quelques versets qui sont devant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Verse 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sous les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Je peux m'arrêter ici, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Amen. Aidez-moi juste à saluer vos voisins, vos voisines et leur dire them, Dieu est vrai. God is true. Si tu es à côté de quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis que tu es là, aide-moi à le bouger encore un peu. Avec beaucoup d'honneur, tu lui dis Dieu est vrai. J'étais en train de rendre grâce à Dieu, mais je voudrais aussi dire merci non seulement à l'église Divine Grace, mais particulièrement aussi à Papa Rema et à toute son équipe pour avoir pensé à nous, pour nous avoir invités à cette grande célébration. Je ne sais pas pourquoi vous êtes liés à ma vie, vous êtes liés à mes anniversaires. C'est la deuxième fois que je prendrai un gâteau dans le froid et dans cette église. In the cold and in this church. C'est extrêmement merveilleux. Merci It's à vous tous truly wonderful. Thanks to all of you qui avez pensé à nous, who have thought of us, à mon épouse, to my wife, et à ma famille. And to my family. Mon épouse est le plus grand exaucement de Dieu dans my ma wife vie. Is the biggest answered prayer in my life. Ouais. J'ai prié pour plusieurs I've choses. Prayed for many things. Mais le plus grand exaucement, c'est elle. Et curieusement, à l'époque, j'avais dit au Seigneur, donne-moi une femme qui ne parle give pas. Me a wife who doesn't speak. Et même ça, Dieu a exaucé. Even that God answered. Alors quand tout le monde me dit, ta femme when est calme, everyone j'ai dit, your laissez-la wife is comme quiet, ça. Leave her like that. C'est comme ça que moi, je that la voulais. How I wanted her to be. Mais son calme dépasse quand, but her calmness, quand nous nous sommes mariés, j'ai changé de when prière. We got married, I changed prayers. J'ai dit au Seigneur, I told the Lord, donne-moi maintenant des enfants now qui parlent give me à children who speak extremely. Alors malheureusement, dans notre maison, c'est la seule qui ne parle unfortunately, pas. In our home, she's the only one who doesn't speak. Et je lui dis toujours, and I always tell her, prie pour que j'ai une longue vie. Pray so that I will have a long parce que life, si je meurs avant, because if I die early, gérer les enfants qui parlent beaucoup comme dealing ça, with children who speak so much, il faut aller aux montagnes. You have to go up to the mountain. Alors merci à vous tous. Thank you to all of you. Je suis en train de chercher les mots pour prêcher. I'm trying to find the words to preach. Parce que moi je suis pas comme pasteur et j'ai because une émotion I'm très forte à l'intérieur like que je suis Roma, en train de chercher à maîtriser que je n'arrive pas. I'm so moved and I'm trying to contain myself. Surtout que j'ai vu ma mère. Especially since I saw my mother. Ça m'a fait bizarre. I just felt
suis hâte de chercher. Je ne sais pas si je dois pleurer, rire. I don't know if I should cry or mais il me faut prêcher. Donc, but I must preach. Tout ce que j'ai fait ici, so everything that I'm doing here, je suis hâte de chercher I'm les mots trying to find my words pour que je commence. So I may begin. Merci, ça c'est important. Thank you, that's important. Alors, so, je peux respirer à fond et maintenant prêcher. Can I breathe and then preach? Ok, je vais y aller. Hier, je vous ai parlé de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Yesterday, I spoke to you about something the Lord placed in my heart. J'étais en train de vous parler sur la visitation divine. I was speaking on the divine visitation. Père, permets-moi de parler. Father, allow me to speak. S'il te plaît. Je vous parlais de la visitation divine. I was speaking on the divine visitation. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose de très merveilleux. I would like to tell you something wonderful. Et je vais clôturer par. And I will close with it. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 60, when you read Isaiah chapter 60, ça commence par dire, lève-toi, it begins by saying, arise, sois éclairé, let your shine, car ta lumière for your light arrive. Is coming. La gloire de l'Éternel the glory of the Lord se lève sur has toi. Risen upon you, se lève sur toi. Has risen upon you. Mais j'aime le verset 2. I love the second verse. Le verset 2 dit, the second verse saying, l'obscurité couvre tous les peuples. Darkness covered all the people. Ça va même plus loin, ça dit l'obscurité couvre toute la terre. Saying that darkness covered all of the earth. Donc toute la terre est sous l'obscurité. Whole earth is upon darkness. Mais il est dit quelque chose, mais but it says, but, sur toi, upon you, sur toi, upon you, sa gloire apparaît. His glory appears. Je voudrais vous dire quelque chose qui va rester dans vos esprits. I would like to tell you something that will remain in your spirit. J'appelle ça la loi de l'exception. I'm calling it the law of exception. Aide-moi à dire à ton voisin, help me tell your neighbor, la loi the de law l'exception. Of exception. My Jesus. Aide-moi à dire à ton voisin, help me tell your neighbor, à partir de ce jour, from this day, Dieu, God m'introduit is introducing me dans la loi into the law de l'exception. Of exception. Amen. Amen. Ce que je vais dire en français, c'est bon, mais en anglais, tu vas t'embrouiller. Mais bats-toi. Nous avons appris, par exemple, we learned, for example, nous qui parlons français, us who speak French, que tous les mots en A-L, every word starting with A-L, prennent en français A-U-X au pluriel. In plural, it's A-U-X. Comme ça qu'on a général, généraux. We have generals, and then generals with A-U-X in French. Musical, musicaux. Musical and musical. Mais celui qui nous A-U-X avait appris ces choses, but the person who taught nous avait us dit those ça là. He said those on things, appelle ça la règle we générale. We called it the general law. Mais dans le général, but within the general, il existe des personnes there exist people, qui ont les mêmes terminaux. En fait, il existe des mots. There are words qui ont la même terminologie, they have the same terminology, mais qui s'entêtent. However, they're very qui disent stubborn. Tout le monde est passé they say, par everyone ce chemin. Goes through this way, mais nous, but us, nous passerons par we l'autre will go chemin. By the other way. Amen. Aïe. Hallelujah. C'est là qu'on trouve des mots comme festival, that's where we find words like festival, comme chacal, like comme bal. Like bow, ça termine comme tous it les autres mots. Like every other word, mais eux disent but they say, la loi générale the general law ne s'appliquera pas sur will nous. Not be applied unto nous us. Bénéficions will benefit de ce qu'on appelle what we call la loi de the law of exception. Vous n'avez pas dit amen. You did not say amen. Quand vous commencez à étudier la Bible, when you begin to study the Bible, vous verrez que dans toute la parole you de Dieu, see that through the word of God, il existe there exists la loi de l'exception. The law of exception. Je peux vous démontrer ça. I can show it to you. Je vais prendre des exemples qui me viennent à l'esprit. Take examples that come to my spirit. Il est écrit par exemple it is written, for example, que tous les enfants all children des Hébreux of the Hebrews, qui naissaient filles that were born girls, on les laissait vivants. They could live. Mais ceux qui naissaient garçons, but those who were born boys, on les prenait, they were taken, on allait les jeter sur and le they Nil, were thrown on the Nile, et ils étaient dévorés and they were devoured par les crocodiles by qui étaient dans le Nil. Within the Nile. C'était ça la règle générale. That was the general law. Mais dans cette règle générale, but within that general law, vous trouverez dans la Bible qu'il y a eu des enfants comme Moïse, children like Moses, qui ont été sous le Nil, they were on the Nile, mais qui n'ont jamais été dévorés. They had never been devoured.
devoured. Jamais été dévoré. Never been devoured. Au contraire, in the contrary, le même Nil qui a tué les autres a été l'endroit the place où eux ont rencontré celle qui les a introduits au palais. Dis à ton voisin tell la loi de l'exception. C'est ainsi, par exemple, and so, que du temps de Jésus, for example, in Jesus' time, il est écrit it is written, que tous les enfants de 2 ans all the children that were 2 years avaient old, été tués they were killed par le roi Hérode. By the king Herod, sauf except un enfant one child, qui avait le même âge who que les had autres, the same age as qui remplissait the others, les mêmes critères he had que the les same autres. Je serai très others, court, mais je voudrais te bénir. I would like to bless you. Qui remplissait les mêmes critères que les autres, others, mais lui, he, exceptionnellement, exceptionally, à lui, Dieu a envoyé un ange him, God sent an angel pour dire, to say, prends cet enfant, take this child. Si tous les autres vont mourir, if the other, all the others lui will ne pourra pas. He will not die. Il se retrouve où? He finds himself where? En Égypte. In Egypt. Et quelques années après, and a few years later, il va rentrer. He goes back. Pourquoi lui n'est pas mort? Why did he not die? Il y a deux personnes qui m'ont répondu. Two people answered pourquoi me. Lui n'est pas why mort? Did he not die? Vous savez, il y a des moments où vous vous demandez. You know, there are times you ask yourself, le même Dieu. I have the same God. Nous prions dans la même église. We pray in the same church. Nous tous, nous vivons à Toronto. We're living in Toronto. Nous vivons les mêmes réalités. We live the, experience mais the same pourquoi reality. L'autre but why the other ne vit pas is not living ce que nous vivons? What we're experiencing. Parce que justement, because exactly, dans toutes les règles in générales, all of the general laws, il existe. There exists, il existe there exists, dans la vie in life, certaines personnes some people, qui ne vivent pas comme tout le monde. As every mais other qui ont person, sur leur vie quelque life, chose que tout le monde n'a pas. Aide-moi à regarder has. Ton voisin. Help me look to dis your le voisin, tu me say vois. Neighbor, you see me. Je n'ai peut-être pas les mêmes perhaps habits que toi. Peut-être you. Que tu es habillé plus perhaps chèrement que moi. Dis-lui la réussite well, dans la vie. Ne dépend pas depend de la règle générale. The general law. Il y a des personnes sur cette terre qui ont sur leur vie une autre loi différente difference de toutes les autres lois que les autres ont. C'est ainsi qu'il so y a des gens qui sont morts du cancer, mais il y a des gens, le même cancer qui a tué tout le monde n'a pas pu les tuer. Pourquoi? Parce que because dans la règle générale, general law, il existe. Oh, il existe. Je dis, il existe. La règle de l'exception. Je sens que je vais vous bénir. I feel that I will bless you. C'est pour ça que that is why arrêtez stop de vous comporter comme des grossistes. To behave like people. La vie life ne dépend pas de en gros. Doesn't depend on the global. Comme quelqu'un a dit, nous souffrons nous as tous. Someone say, we all suffer, non, nous ne souffrons pas nous but tous. But we don't all suffer. Tu souffres seul. You're suffering alone. Oh, à Toronto, les mariages in sont Toronto, difficiles. In Toronto, marriages are difficult. Amen. Dis que dans ta vie, say in your life, le mariage est difficile. Marriage is difficult. Parce que dans le général, because in the general, tout le monde n'est pas dans le... Everyone is not in. Hallelujah. Aïe, 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 aïe. La même eau qui tue tout le monde. The same water that killed des gens everyone. Se sont noyés. People were drowned. Des gens sont entrés dans people l'eau. Entered the water. Ils ont fait... Il y a récemment un grand joueur recently, là. Toi, tu aimes le foot. Là, comment player. Il s'appelle? Il y a un joueur qui vient de tomber là dans l'avion there's récemment. A player who just fell. De l'avion là, il est from perdu. The plane, he's lost. Qui venait de France là? Salah, ouais. His name is Salah.
On a recherché le joueur. Son avion est tombé. Il est rentré sous l'eau. On a fait des recherches. Finalement, on ne l'a plus retrouvé. Tout ce qu'il fallait faire, c'est d'écrire en gros RIP. Parce que quand quelqu'un tombe dans l'eau, là, après plusieurs jours, ah non, tu ne le retrouves pas. You will not find them. Mais si vous demandez à Jonas, if you ask Jonah, lui va vous raconter une autre histoire. Jonas va vous dire, moi j'ai déjà été dans l'eau. J'étais trois jours, pas seulement dans l'eau, mais dans le ventre d'un poisson. Après trois jours, là où tout le monde meurt, moi mon Dieu a donné l'ordre à mon poisson de me vomir. La même eau qui a tué tout le monde ne m'a pas tué. Pourquoi? Parce que là où il y a le général, il existe. Il existe. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Écoute-moi bien. Si ton voisin ne dit pas amen à la prédication, toi dis amen. Parce que tu n'es pas ton voisin qui ne te terrorise pas. Ne suis pas la prédication. Don't comme listen tout to le monde, parce qu'aujourd'hui, je refuse les gens qui vont suivre la prédication dans le général. Je veux voir des personnes qui, qui vont suivre la prédication de manière exceptionnelle. Si vous le voyez courir, ne dites pas « Oh, c'est quoi ça ?» Dans l'église, on ne fait pas comme ça. Ce que vous ne faites pas, c'est dans le général. Aujourd'hui, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on va écouter la parole de manière... Amen. Vous pouvez vous fâcher contre Maman Jenny. Oh, normalement. C'est quelle manière de prier? Au lieu de demander seulement Marie, elle insiste. Oh Dieu, donne-moi un mari comme le prophète. Ça fait quoi? Oh, d'ailleurs. Oh, ça fait quoi? Dans vos généraux là, il existe. Alléluia. Tape d'abord ton voisin, dis voisin. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas toi. Là où toi tu pleures, moi je ne pleurerai pas. C'est comme ça qu'un jour, tout le monde était à côté de Jésus. De manière générale, il le touchait de manière générale. Il marchait avec lui de manière générale. Mais une femme, une femme, j'ai dit une femme. Où est cette femme? Une femme. Elle a dit, cet homme ici, il s'appelle Jésus. Il guérit les malades, il purifie les lépreux, il fait des miracles, tout le monde le touche, mais leur manière de le toucher, c'est une manière générale. Mais moi, je veux m'approcher, c'est le même Jésus, mais moi, je vais le toucher au pas de sa robe de manière exceptionnelle. Quand elle a touché, elle a été guérie. Écoutez-moi. Ceux qui voient la gloire de Dieu, c'est les personnes qui touchent Dieu. De manière. Alléluia. 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 Je vous informe que c'est la première prédication de mes 40 ans. Alléluia! Ce soir, je ne suis pas venu prêcher de manière générale. Je suis venu prêcher de manière exceptionnelle. Dis-moi, Amen, je te bénis. Amen, I will bless you. Bravo, Chaka. Alléluia. Bartimée. Était là. He was there. Vous savez, Jésus marchait dans la foule. Quand Jésus marchait, il y avait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui chantaient. Il y a des gens qui chantaient. Oh, you are the Lord. Oh, tu es le Seigneur. Oh, tout ça.
il y avait beaucoup de bruit. Mais tous les bruits là, noise, le bruit général, n'avait pas arrêté Jésus. Mais Bartimée a dit, moi, je vais crier. Mais ma manière de crier doit arrêter Jésus. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, have mercy on me. Écoutez-moi. Listen to me. Je vous informe que quand Jésus entrait à Jéricho, il a guéri Zachée. He saw Zacchaeus. Il a vu Zachée. He saw him. Mais Bartimée, lui n'était pas à l'entrée. He was not at the entrance. Lui, il était à la sortie. He was at the exit. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui ont vu Jésus l'année passée, ils ne sont pas plus grands que ceux qui vont voir Jésus cette année. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen exceptionnel. Amen. Amen. J'entends un amen bien fait d'abord. Amen. Amen. Même si ça vous énerve, even if you get angry, aujourd'hui, today, nous sommes venus we came pour faire un culte to do exceptionnel. An exceptional service. Barachereba. Alléluia. Aujourd'hui, today, on va faire un culte comme ça. A à un certain moment, at some time, si tu as envie de danser, if you feel like dancing, just do this. Que personne ne te dise, no one tell you, on ne danse pas you don't dance pendant la parole. During the word. Hey. Hallelujah. Les règles générales, the general law, nous allons les briser. We're going to break them. Aujourd'hui, today, nous sommes décidés we have decided à vivre to live un culte an exceptional service. Parce que nous ne sommes pas comme because tout le monde. Nous sommes like everyone. We're exceptional. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Tout le monde venait au temple. Everyone came et to the tout temple. Tout le monde priait. And everyone prayed. Mais un jour une but femme est entrée au temple. She entered the sa temple. Manière de prier the way she prayed a scandalisé le sacrificateur. The priest. Le sacrificateur est même allé la voir went to see pour her lui dire to tell her, pourquoi tu pries comme why ça? Are you praying that tu way? As pris le vin. Don't you have any wine? Un commentateur dit a commentator says que la femme là that woman, tellement que c'était à une période it was at a time où il y avait une telle dégradation dans la maison de Dieu in the house of God. Déjà le fils de Eli péchait, the son of Eli was il prenait des femmes he was taking women dans le temple. In the temple il y a même des gens qui entraient au temple ivres. Entering the temple drunk. Donc Anne quand elle est entrée so when Anna came, elle était entrée she entered, elle a fait une prière she prayed, tellement bizarre it was so weird, que le sacrificateur a dit that the priest said, de manière générale in a general way. Tout le monde prie comme ça. Everyone prays this way. Mais cette prière. But this prayer. Ça. That. C'est. This is exceptional. Quelqu'un a dit. Someone said. Elle avait même pris. She even took. Excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Excuse me, I'm saying this. Elle s'est touchée à la poitrine. She was touching her breast. Oui, c'est ça l'exception. Personne ne va entrer là. Oh non. No one will come here and say, she came to pray. Si tu veux même tourner, if you want to turn, turn. Il paraît qu'elle était en train de prier comme while she was praying, prenant ses parties d'en haut. She was touching her parts. Les présentant au Seigneur. Presenting donc, elle to était the Lord. En train de dire, she was saying, Seigneur, Lord, ces choses ici, these things, tu me les as données you have given them to pour me que ça serve so les poupées. That he may serve as a doll. C'était tellement scandaleux she was so scandalous que le sacrificateur a dit the priest said, non, pour no. Qu'une femme prie comme for ça. A woman to pray that way. Elle a déjà bu le vin. She is already drunk mais wine. Pour elle, but for her, ce jour-là, that day, elle a dit, she said, ça fait des années it has been years que je prie that I'm praying de manière normale. In a normal way, ça n'a rien amené. Nothing was mais changed, ce soir, but tonight, je vais prier pray de manière in a way that's exceptionnelle. Exceptional. C'est sa manière de prier exceptionnellement. She prayed exceptionally. Moi, j'ai déjà grondé un jour Pasteur Rema. One day I yelled at Prophet Rema. Très sérieusement. Very seriously. Deux fois. Two times. La première fois. The first time. Il avait pris tous ses habits. He took all his clothes. Il a pris sa valise. He took his suitcase.
Il est allé à l'église. He went to church. Oh, il va donner au Seigneur. He will give to the Lord. Moi, ce jour-là, j'avais dit non. That day I said no. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, cette histoire-là, moi, je ne suis pas d'accord. Comment tu peux offrir tous tes habits? How can you offer all tout your ça pour qu'après ici, so after, que ce soit moi qui prenne la charge, charge de commencer à te payer d'autres habits. Non, you new clothes. Je no. lui ai dit, tu ne donneras I pas. Told him you will not lui give. Aussi, ma, oh, Dieu m'a He dit. Said, oh, God told me. Après, je l'ai grondé. After I yelled at J'étais him, étonné. I was astonished. J'étais à la chaise. I was on the altar. J'entends, on dit, oh, I hear them say, il y a un homme there's a man qui a donné tous ses habits. Who gave all his clothes. Moi, dans mon cœur, je me suis In dit, my heart, I was like, Akomona. He will see. Mais quelques temps après, But a few times dans later, la même conférence, in the same conference, on lui a donné une prophétie. He was given a prophecy. Oh, Dieu a dit, God said, à partir de maintenant, from now on, il te donne les nations du he monde. Is giving you the nations Donc, of the là où world. Moi je l'avais grondé, him, son offrande exceptionnelle a attiré quelque chose. Something. Une autre fois, je me souviens que je dirigeais une prière. I was leading prayer. Il pleuvait abondamment. It was raining a lot. Lui, il a déjà oublié. He already forgot. Il est sorti dehors. He went outside. Et il priait sous la pluie. And he was praying under the rain. Il priait sous la pluie. He was praying under the rain. J'ai dit au protocole. I told the usher, allez le chercher. Go find him. Dites-lui qu'il entre. Tell him to come back inside. Cette histoire de prier sous la pluie comme ça. Thing of praying under the rain. Il va tomber malade. He will get sick. Et sa maman quand elle And va m'appeler. When she will call me, elle va commencer à me gronder. She will start yelling at me. Pour quelqu'un qui prie sous la pluie. For someone praying under the rain. I told the usher, bring him in. Et il priait là. And he was praying. J'ai dit, allez le prendre. I said, go find him. Après, et ils me disent, oh, papa, and they said, papa, il continue à prier. He's continuing to pray. Après, afterwards, quand je vois Dieu l'utiliser, when I saw God use him, quelqu'un va dire, someone will say, oh, oh, c'est des fétiches. It is juju. Mais les prières qu'il avait But the fait prayers avant, that he made before, je prie aujourd'hui I pray today que la règle générale may the general law ne te caractérise will pas. Not characterize you. Tu ne m'as pas donné un amen you bénissant. Did not give me a blessed que amen. Dieu te donne may God give de you vivre to experience une règle a law exceptionnelle. That is exceptional. Tu n'as pas un amen you exceptionnel. Did not have an exceptional tu amen. N'as pas un amen you exceptionnel. Did not give an exceptional amen. Regarde d'abord ton voisin. Look at your neighbor. Dis le voisin, je ne suis pas Say, comme neighbor, toi. I'm not like you. Nous pouvons même naître dans la We même famille. Born in the same family, avoir les mêmes combats. The same battles, mais nous ne vivrons pas la même vie. Experience the same life. Rabra Shekeria. Alléluia. C'est ainsi que It is that vous allez voir que Abraham, you see Abraham quand il est décédé, when he died, il est décédé à 175 he ans. Died at the age of 175 ans. 175. Mais quand son fils est But venu, when his son came, lui n'est pas mort à 175 ans. He did not die at 175. Il est mort à 180 ans. He died at 180. C'est-à-dire, that means, là où le papa s'est arrêté, l'enfant l'a dépassé. J'aimerais dire à I'll quelqu'un, someone, si ton père father, s'est arrêté à ce niveau, here, tu n'as pas le droit de right t'arrêter à son niveau. Tu dois le you dépasser. J'ai dit, tu dois you le dépasser. Oh! Oh! Tape d'abord quand une personne dit, je vais dépasser. Say, oh, les limites de ma famille. Oh, the limits of my les limites family, de ma famille. Oh, dans cette famille-là, tout le monde s'arrête ici. Cette here. Histoire de s'arrêter, là où mon stopping. Père s'est arrêté, pas question. No way. Moi, je ne suis pas mon père. I am not my father. Nous ne sommes pas dans un film. Que Dieu vous bénisse et vous May entre dans la loi de l'exception. Amen. Mettez cette offrande-là. Écoutez-moi. Listen to me. Si ton père n'a pas If laissé des millions, father did not leave millions, le Dieu que tu sers the God you serve est un Dieu exceptionnel. Is an exceptional God. Donne-moi un amen exceptionnel. Give me an exceptional amen. Est-ce que je peux prêcher? Can I preach? Que je dis ça même en anglais pour une fois. I'm going to say it in English for once. Can I preach like I feel? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Je sens qu'il ne faut pas I que je prêche comme d'habitude. Je vais commencer à prêcher en dansant, en faisant des fiers. Il ne faut pas dire comment il prêche comme ça. Frère, nous sommes en train de servir un Dieu exceptionnel qui marche avec des hommes exceptionnels et qui fait avec ces hommes des choses exceptionnelles. Amen. Amen. Là,
Jésus que nous servons, c'est un être exceptionnel. Tout le monde est né avec papa et maman. Mais lui, quand il est né, il est né sans papa, avec maman, mais il est né. Parce que cet homme de Jésus est un être exceptionnel. Tout le monde a marché dans le péché. Mais lui, quand il a marché sur la terre des hommes, il n'a jamais péché. Parce qu'il était un être exceptionnel. Le jour de son baptême, tout le monde était baptisé et il n'y avait rien. Mais lui, quand il est venu, il est entré dans l'eau. Le ciel s'est ouvert. Une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Pourquoi? À son tour, il est allé au désert. Quand il est arrivé au désert, il a rencontré Satan. Satan était habitué à dominer tous les hommes. Il est entré dans le couple d'Adam, il les a dominés. Mais pour la première fois de la vie de Satan, il a rencontré un homme. Quand il lui a parlé, lui aussi lui disait, il est écrit. Il est écrit, lui aussi lui dit, il est écrit. Ce jour-là, pour la première fois, Satan a fléchi devant un homme. Parce que cet homme est un être exceptionnel. Dites-moi amen et je prêche. Say amen, I'm gonna preach. Sa vie tout entière, his whole life, a été was une vie, a life d'exception, of disappointment. Pose à côté, pose à côté. I wanna preach. C'est ainsi que so that un jour day, il se retrouve à Bethesda. Tout le monde everyone vivait le miracle. Mais le principe général, general c'était que pour avoir le miracle miracle, à Bethesda, tu dois attendre le mouvement de l'ange. Quand l'ange agite l'eau, tu tombes là, tu es guéri. Mais quand cet homme de Jésus apparaît à Bethesda, comme lui, il avait sur lui l'onction exceptionnelle. Quand il arrive à Bethesda, il dit à cet homme, tout le monde marche dans cette loi. Mais aujourd'hui, j'inaugure pour toi la loi. Ce jour-là, pour la première fois, un homme a été guéri sans qu'il tombe dans l'eau. Il n'est jamais tombé dans l'eau. Et il a été guéri. Et il a dit à cet homme, prends ton lit. Laissez-moi vous dire que le lit qui t'a porté pendant des années, dans quelques instants, le même lit qui t'a porté, Jésus te dit, prends le même lit. Tape d'abord quatre personnes. Dis-le, je serai un Jésus exceptionnel. Aujourd'hui, ça vous allez continuer un autre jour. You will continue another day. Mais pour aujourd'hui, for today, quand on dit J.E., après à la fin, vous dites, au lieu de dire le roi des rois, ajoutez king, l'exceptionnel. J.E. J.E. L'exceptionnel. J.E. Jésus. J.E. L'exceptionnel. J.E. Jésus. J.E. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Jésus? Yes! Come on! Il est par exemple monté sur le petit d'une ânesse sur lequel upon whom personne no one n'était monté avant lui. Was upon him, before him. Il est entré dans un tombeau he entered a tomb là où personne where no one n'était had entered.
avant lui. Tout le monde se bat avec les Gucci, les Aldo. Ajoutez, aidez-moi à Burberry. Mettre, on prêche ensemble. Tommy Hilfiger. Les choses avec lesquelles vous vous battez là, vous faites même. You're like, c'est du JR ça. Oh, this is JR. Ah, ça c'est. This is. Non, lui comme il était exceptionnel, il a porté un habit he had a cloth qui n'avait pas de couture. No, qui est le couturier? Who put it together? C'est comme ça qu'on l'a pris. On l'a amené à la croix. Quand il est arrivé à la croix, tous les brigands, avant de mourir, on leur brisait les os. Ça, c'était la loi générale. Mais le jour où ils sont venus pour lui briser les os, ils ne savaient pas que sur sa vie, il y avait une parole qui disait, on ne brisera pas ses os. Quand ils sont arrivés pour la première fois de l'histoire des Juifs, le seul qui est mort à la croix sans qu'on brise ses os. Dites-moi, prêche, je prêche. Tell me, preach, I will preach. Dites-moi, avance, say, prophète, forward, j'avance. Prophet, quand il est monté là, les gens étaient habitués. Quand quelqu'un monte à la croix, cross, il meurt de manière ordinaire. In an ordinary way. Ils étaient habitués. They were used to it. Ils étaient habitués they were used to it. À la règle générale. Comme les gens sont habitués dans votre famille. Oh, tout le monde ne se marie jamais. Oh, 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 ils sont habitués. Mais qu'ils s'habituent aussi. Bientôt là, il n'y aura pas que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Bientôt là, les membres de ta famille doivent s'habituer à une autre loi qu'on appelle la loi. The law of exception. Rabba babo sa. Ia babo 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 sa te karia mama mama mama. Ye kego shakara basa. Quand lui il est monté à la croix, les gens étaient étonnés. Il a d'abord dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À un certain moment, il s'est écrié, tout est accompli. La Bible déclare, ce jour-là, de manière exceptionnelle, le soleil s'est caché. Il y a eu des ténèbres. Les rochers se sont fendus. Les portes des cimetières se sont ouvertes. Parce que ce jour-là, il y avait des morts. Mais cette mort était une mort. Dis le plus fort. Dis même ton voisin, dis-lui. Hey. C'était une mort. C'est ainsi que quand il est mort, Karl Marx est mort. Karl Marx est mort. When he died. Ah, Karl Marx. Karl Marx. Il est mort. He died. Règle générale. General law. Il est parti. He left. Hitler Adolf est mort. Hitler, Adolf, Hitler died. Règle générale. General law. Il est parti. He left. Récemment, Bush est mort. Died. Il est parti. He died. Règle générale. Citez-moi d'autres noms. Same. Confucius est mort. Died. Il
il est parti. Règle générale. Bouddha est mort. Il est parti. Règle générale. Mahomet est mort. Il est parti. Règle générale. Le plus grand sorcier de votre famille, il va partir. Règle générale. Mobutu est parti. Il est mort. Il est parti. Règle générale. Kadhafi est mort. Il est parti. Il est mort. Règle générale. Fidel Castro est mort. Fidel Castro died. Il est parti. Il n'est jamais ressuscité. Mais un homme. Dis d'abord, un homme est entré. Au lieu de dormir comme tout le monde, la Bible déclare, lui, il est descendu dans les régions inférieures. Il est allé chercher ceux qui étaient dans le séjour des morts. Au lieu de rester là, il est allé travailler. Les démons disaient, tout le monde est parti. Personne n'est ressuscité. Le premier jour, il était là. Le deuxième jour, il était là. On a mis une grosse pierre. On a mis une grosse pierre. Des militaires. Avec des armes, bloquant sa résurrection. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que celui qui venait d'entrer, c'était un homme. C'était un homme. Tu ne le dis pas avec fierté, c'était un homme. Le troisième jour, la Bible déclare, Dieu a ouvert le ciel. Que Dieu te donne un mariage exceptionnel. Amen. Je vais commencer par vous dire une chose qui va vous choquer. To tell you something that's gonna shock you. Ce jour-là, that day, à la tombe, on avait mis la pierre. At the tomb, there was a stone. Tous les hommes all men étaient enfermés dans une maison. They were in the house. Les seules personnes the only people exceptionnelles exceptional, qui n'étaient pas enfermées, who were not locked up, c'était les mamans. Were the mothers. Hey. Est-ce qu'il y a des mamans en ce lieu? Je vois les papas qui ne disent pas amen. I see the fathers not saying amen. Faut pas jouer avec les mamans. Don't play with the mothers. Les femmes sont les seuls êtres. Women are the only beings qui ont parlé. Who spoke avec les deux êtres les plus puissants. The most mighty beings. La femme a parlé à Dieu sans l'homme. To do without the man. Parce que quand on a créé, l'homme when était endormi. When she was created, the man was asleep. Et la femme c'est la seule créature. And the woman is the only being qui a parlé à Satan. Who spoke to Satan. C'est pour ça qu'il faut craindre les femmes. That's why you must fear women. Parce que quand une femme parle à Satan, when a woman speaks to elle Satan, devient dangereuse. She becomes dangerous. Mais quand elle parle aussi à Dieu, she also speaks to God. Elle va amener des choses. Les mamans me donnent un amen des mamans. Ah ah, j'aime ça. Les mamans me donnent des amen des mamans. Ce sont les seuls qui étaient allés au tombeau. The only ones who went to the tomb. Satan avait fermé Pierre. Satan locked up Peter. Fermé le tombeau. He locked up the tomb. Mais comme Satan, but as Satan oublie que forget that Dieu God est un Dieu is a God exceptionnel. That's exceptional. La seule porte qui the n'avait pas fermée. The only door that was not shut up. Hey, hallelujah. Voilà pourquoi ce soir, that's why tonight, j'ai envie de me rire de tous tes ennemis. I want to laugh at your enemies.
ils ont bloqué le mariage. Ils ont bloqué le travail. Ils ont bloqué. Mais après qu'ils ont bloqué là, est-ce qu'ils savent aussi qu'il y a une porte qu'on ne ferme jamais. That you never shut up. Et ce soir, tonight, Dieu me dit de te dire, la porte you, du ciel va s'ouvrir sur ta vie. Sa main va descendre. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière est. Heureusement que la lumière ne vient pas d'en bas. Thank goodness that light does not come from beneath. Amen. Je vous sens fatigué. I feel that you're tired. Je vais arrêter. I'm gonna stop. J'aime des hommes exceptionnels comme ça. I like exceptional men. Aujourd'hui, on va faire des prières comme ça. Today we're gonna do such prayers. Si tu vas prier la tête en haut. You pray with your head up high. Prie. Pray. Mets-moi d'abord un son, je vais danser exceptionnellement. I wanna dance exceptionally. Je n'entends pas les personnes. Quelqu'un peut me donner un amen exceptionnel. Can someone give an exceptional amen? La Bible déclare le troisième jour, l'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas. J'en pleurais. J'en pleurais parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre. Dans la loi générale, il n'y avait personne. Et à un certain moment, un vieillard lui a dit, ne pleure pas, parce que dans la loi générale, voici l'agneau de Dieu. Écoutez. Listen. Écoutez, listen. On lui présente, on dit voici le lion de la tribu de Judas. Quand il regarde, when he looks, au lieu de voir un lion, instead of seeing a lion, il voit un agneau. He sees a lamb. Est-ce que tu as déjà vu un lion? Have you ever seen a lion qui est comme un agneau? Who looks like a lamb? C'est pour ça, ne vous moquez That's pas des agneaux. Don't laugh at lambs. Parce que dans un agneau peut Because être un lion. Quand les gens te regardent When aujourd'hui, people look at you today, ils te voient comme they see you like you. Est-ce qu'ils te connaissent? Do they know you? Est-ce qu'ils savent que dans Do un they agneau, know that in this lamb? J'ai envie de prêcher, mais vous n'êtes pas prêts. Preach, but you're not ready. La loi de l'exception a fait qu'un jour, on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. In the fire. On a même chauffé le feu sept fois. Ils sont entrés. They entered. Tout le monde dehors. Everyone outside. Savait que aujourd'hui. They knew that today. Bauzi Katina. They're going to burn to ashes. Ils vont brûler jusqu'aux dents. They will burn to their teeth. Mais curieusement. But curiously. Au milieu du feu. In the middle of the fire. Ils regardent. They looked. Ils regardent. They looked. Ils regardent. They looked. Ils constatent. They noticed. Et on a jeté trois personnes. Three people. Mais quand ils viennent, But when they come, ils font un, they say one, deux, two, three,
mathématiques bougent dans leur tête. Ils se disent non. On a jeté trois noms. Ils reprennent. They say one, two, three, four. Maintenant, quand ils regardent la quatrième, they look at the fourth, ils se rendent compte. They notice qu'il a un visage. That there is a face qui ressemble that resembles au visage to the face d'un fils de Dieu. Of the Son of God. Moi, j'aime cette précision. I love this precision. Quand on les fait sortir, when they bring them out, au lieu qu'ils sortent à quatre, instead of coming out four, lui, il est resté. He stayed. Je suis allé lui demander. I want to ask him, pourquoi tu es resté? Why did you stay? Il m'a dit. He told me, je suis resté. I stayed. Parce que après Shadrach, after Shadrach, après Meshach, after Meshach, après Abednego, after Abednego, toi aussi, also, tu entreras dans. You will enter in the fire. Voilà pourquoi je déclare que les problèmes que les gens pensent qu'ils vont te tuer, ça ne te tuera pas. Dis-moi amen, ça ne te tuera pas. Pourquoi ça ne te tuera pas? La réponse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pourquoi, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront all the days of my life. Et j'habiterai in the house of the Lord until the end of my days. Mets-toi debout, je commence à te bénir, j'ai fini. Oh, il a tout à compris. 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 Je t'introduis dans la règle de l'exception. Amen. Dans tous les domaines. Amen. 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 Il a tout à compris. Il a tout à compris. Ah, il a tout à compris. Il a tout à compris. Mais je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Ah, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Ah, je ne suis plus lié. 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 Satan veut que ma gage. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ah, Satan, c'est ma vision. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Il a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Il a tout accompli. Sous la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, exceptionnel. Commence à danser exceptionnel. Je te célèbre tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Ah, oh, 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 oh
Je remets le micro. I bless you and I give you microphone. Si tu as besoin d'une prophétie, if you need a prophecy, voilà la prophétie. Here is the prophecy. Tu es exceptionnel. You are exceptional. Tu as un amen qui est normal. This is a normal. Amen. Amen. À partir de maintenant, from now on, je commence par les membres I de cette église. With the members of this church. Après une année, after a year, que Dieu amène divine grace. Dans la loi de l'exception. The law of the exception. Dites-moi amen, je commence Make par vous amen. Bénir. Begin by blessing you. Là où les autres ont mis 5 ans, là où les autres ont mis 10 ans, que Dieu vous donne ce que les autres ont eu en 10 ans. Qu'il vous donne ça en 2 ans. Si vous demandez pourquoi, je vous rappelle que vous n'êtes pas comme tout le monde. Je déclare maintenant, si en venant en ce lieu, ta mère a eu des combats dans le mariage, ton frère a eu des combats dans le mariage, dans ta famille il y a eu des divorces, je déclare maintenant, toi tu te marieras, tu ne divorceras pas. Si quelqu'un te demande pourquoi, dis-lui parce que je ne dépends pas de la règle générale, je fais partie de la règle de l'exception. Là où les gens ont fait longtemps pour avoir des papiers, là où les gens ont fait longtemps pour travailler, là où les gens ont fait longtemps pour acheter des maisons, que Dieu te donne d'avoir ces choses en moins de temps parce que tu es exceptionnel. Là où les autres enfants sont entrés dans la drogue, ils sont entrés dans des mauvaises choses, que Dieu te donne d'avoir des enfants
children qui seront exceptionnels. Je te bénis. Je bénis ta santé. Je bénis ta vie. Tu ne me donnes pas un amen. Je bénis ton mariage. Je bénis ta santé. Je bénis ton ministère. Je bénis ta vie. Je bénis tes miens. Ta santé, le myome là va disparaître. Le cancer ne te touchera pas. Tu es exceptionnel. Je bénis ton travail. Toi qui as des projets pour 2019, les autres projets vont bloquer. Mais ton projet va réussir parce que tu es exceptionnel. Même si dans ta famille, il y a des sorciers, même si dans ta famille il y a des lois, écoute ce message. Moïse n'a pas été tué par les dieux des Égyptiens. Toi aussi tu ne mourras pas des combats de ton père, de la famille de ton père ou de ta mère. Tu es exceptionnel. Pendant que je parle, l'esprit commence à toucher des gens. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des démons qui voulaient te bloquer. Là où ta mère a échoué, tu n'échoueras pas. Là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas. Tu es exceptionnel. Tu ne me donnes pas un amen exceptionnel. Je suis en train de te bénir. Je bénis ta vie. Cette année ne sera pas comme 2018. Ce sera une année exceptionnelle. Je bénirai février. Il bénira mars, il bénira avril, il bénira mai, il bénira juin, il bénira juillet, il bénira août. Là où, oh alléluia, je suis en train de bénir tes frères. Je bénis les gens de ta famille qui sont ici au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont en Asie. Que Dieu vous donne d'avoir une famille exceptionnelle. Toi, maman qui m'entends, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Si les autres enfants vont mourir, toi, tes enfants ne mourront pas. Parce que je vois des jeunes filles ici. Qui vont faire des mariages qu'il n'y a jamais eu dans leur famille. Ah, donnez-moi des amen bien. Amen. Je vois des jeunes garçons qui auront un parcours ici au Canada, qui va étonner plusieurs personnes. Ils vont émerger, ils vont aller loin, ils vont faire de grandes choses. Ils vont être des chefs d'entreprise. Ils seront des CEOs de leurs propres entreprises. Ils créeront des business qui vont réussir. Ils ouvriront des compagnies qui vont réussir. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui te donne une grâce exceptionnelle. Si c'est de toi dont je parle, donne-moi un amen exceptionnel. Ainsi je déclare, après une année, on ne célébrera pas seulement les témoignages de Maman Jenny. Je t'introduis aussi dans une saison des témoignages. Des témoignages. Je vous sens fatigué, je vous sens fatigué. Je vous sens fatigué. I feel you tired. Pendant que je parle, as I'm speaking, je vois des anges dans la salle. Dieu est en train de visiter des God gens. Is visiting people. Toi qui es bloqué dans les dettes, if you're blocked que des miracles exceptionnels commencent à te libérer de tous les problèmes financiers desquels tu es venu. Même si on a dit de ton enfant qu'il est malade, il a l'autisme, il a telle maladie, je déclare que ton enfant grandira de manière exceptionnelle. Dieu fera un miracle. Il libérera sa gloire. Il te bénira. Il bénira ta santé. Il bénira ta vie. Si tu me dis amen, je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Tout
ce que tes mains vont toucher cette année va réussir. Je bénis tes pieds, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne. Je bénis tes idées, je bénis tes projets. À partir d'aujourd'hui, commence à crier en disant je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. J'ai un mariage exceptionnel. J'ai des enfants exceptionnels. J'ai une santé exceptionnelle. J'ai un parcours exceptionnel. La Bible déclare, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi. Aujourd'hui, nous allons faire des prières exceptionnelles. Ce que tu sens que tu dois faire, fais-le. Si tu sens que tu dois être à genoux, si tu sens que tu dois te coucher par terre, si tu sens que tu dois mettre tes mains en l'air, si tu sens que tu dois donner une offrande, si tu sens que tu dois prier avec les membres de ta famille, si tu sens que tu dois tenir ton mari par les mains, si tu sens que tu dois prier avec ta femme, si tu sens que tu dois prier, faisons des prières exceptionnelles. Si vous sentez que vous devez prier en langue, priez en langue. Si vous sentez que vous devez circuler, circuler. Demandez une chose. Seigneur, je demande une grâce exceptionnelle. Seigneur, je demande l'exception dans ma vie, l'exception dans mon mariage, l'exception dans la vie de mes enfants, pour tout ce qui avait des problèmes de santé, que Dieu vous donne de vivre les exceptions. Que Dieu vous donne de vivre les exceptions. Bien-aimés, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à déclarer. Que là où j'ai des combats, je vivrai l'exception. Là où j'ai des pleurs, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commencez à prier. Demandez l'exception. Demandez l'exception. Demandez l'exception. Rakakakakakaka. Rapapapapapa. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi la gloire de Dieu apparaît. Soyez bénis, soyez bénis. Priez, priez. Demandez les exceptions. Fais une exception dans la vie de cet enfant. Fais une exception dans la vie de cet enfant. Fais une exception dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, priez, priez. Ma vie, le pilier qui soutient ma vie, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Priez exceptionnellement, Seigneur Jésus, priez exceptionnellement, priez exceptionnellement. Le pilier qui soutient ma vie. Porte cette veste de prix avec ça. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Que Dieu t'introduise. Seigneur Jésus, le pilier des choses qui soutient ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, exceptionnellement. Priez exceptionnellement. Nous faisons des prières exceptionnelles. Tu veux voir tes enfants évoluer. Commence à citer leur nom. Commence à citer leur nom.
Je demande l'exception dans la vie de ton serviteur. Cet homme vivra les exceptions dans tous les domaines de sa vie. Je le recommande à toi. Je le répète. Ya maman, maman, chaka. Ya maman, chanter à maman, maman. Dans l'exception, que Dieu bénisse cet enfant, qu'il introduise dans l'exception, que Dieu bénisse cet enfant, qu'il introduise dans l'exception, que Dieu bénisse cet enfant, que son enfance, que sa jeunesse, que sa vie adulte soit une exception au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, prends la position qui te plaît. Oh my God, Shadabla. Je prie que tu vives l'exception. Que Dieu te donne un parcours exceptionnel, un mariage exceptionnel, une vie exceptionnelle, des enfants exceptionnels, un parcours exceptionnel, que tu évolues dans ta vision, que tu ailles plus loin que tu n'as jamais imaginé à cause de l'exception. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Je veux qu'on termine. Je sens une atmosphère. Moi, j'aime des moments comme ça. Des moments où nous sommes libres. Gloria, est-ce que je peux mettre juste ma main? Attends, je vais prier pour toi. Je sens que je dois mettre ma main sur cet enfant. Je veux que Dieu maintenant se manifeste dans tous les domaines de ta vie de manière exceptionnelle. Je prie pour ton enfance, ta jeunesse et ta vieillesse. Je prie pour ta santé et pour ta croissance. J'impose la loi de l'exception dans ta vie. Le tout ce qui ne marchait pas marche à cause de la loi de l'exception. Au nom de Jésus. Amen. Comment il s'appelle votre fils? Doan. Père de grâce. Un miracle dans la vie de Doan. Sa maman est venue dans un culte d'exception. Elle veut vivre l'exception. Là où il est, nous le recommandons à toi. Introduis-le dans l'exception. Dieu! Un miracle exceptionnel. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Un jour, une femme était courbée. A woman was bent one day. Et c'était le jour de sabbat. And it was the day of sabbath. Normalement, normally, le jour de sabbat, the day of sabbath, il n'y avait pas de miracle. There was no healing miracle. Mais ce jour-là, but that day, quand Jésus l'a regardé, when Jesus looked at her, il lui a dit, he told her, lève-toi, rise up, redresse-toi. And les gens se sont fâchés. People were angry. Est-ce qu'un jour comme ça, on fait des on miracles? Such a day, can you operate Jésus a miracle? Lui a dit, Jesus told her, il y a des miracles, there are miracles qui sont aussi exceptionnels. That are also exceptional. Je peux dire ce que je sens maintenant. Can I say what I feel right now? Un jour, on est venu dire à one Jésus, day they came to tell Jesus, il n'y a pas de vin. There's no wine. Jésus répond, il dit, Jesus answered and said, ce n'est pas mon heure. It is not my hour. Je ne peux pas faire le miracle I maintenant. Cannot operate a miracle parce que dans now, mon programme, because in my plan, je ne peux pas faire le miracle I can't maintenant. Do it right now. Mais la maman a dit, but that woman said, la règle de l'exception existe. The law of the exception il a dit, exists. Faites ce qu'il vous dira. Said, do what he will tell ce you. Jour-là, that day, Jésus Jesus a fait
did un miracle, a miracle hors programme. That was not planned. Je ne sais pas. I don't know. Peut-être qu'aujourd'hui, perhaps today, il y a des choses qui n'étaient pas programmées d'arriver. Mais je déclare qu'un miracle, that a miracle hors saison, that is outside of season, arrive. Would happen. Je suis un prophète de Dieu. I am a prophet of God. Je suis un prophète de Dieu. A prophet of God. Écoutez-moi. Listen to me. Il y a des gens there are people sur qui on ne va donner aucune prophétie. Will give no prophecy, mais ce culte, but this service, ce sera will be le décollage the de plusieurs choses dans leur vie. Ils rentreront chez eux. They will go home. Ils diront, they will say, mais depuis que j'ai prié, but since I pray, je sens que I feel that quelque chose d'autre. Something else. Et, ma sœur en bleu, lève-toi. Où est ta sœur? Where is your sister? Je suis hâte de voir une sœur un peu plus jeune, I un peu plus svelte. Who is a bit smaller? Non, plus svelte, as a mom, okay. She's skinnier. C'est toi, viens. Tu crois dans l'exception? Do you believe in the exception? Tu as beaucoup servi Dieu à un moment. You served the Lord a lot at one point. À Kinshasa. In Kinshasa. Après, tu as lâché un peu. And then you let go. Tu es passé par des moments difficiles. You went through a difficult time. Et tu as lâché. And you let go. Tu sais ce que Dieu me dit? Do you know what God is telling me? Dieu me dit. God is telling me. Que il t'aime. That he loves you. Il t'aime. He loves you. Et il aimerait que tu te réengages. And he wants you to be even more committed. Parce que c'est que Dieu va commencer because à faire God dans ta vie. Because what God will start to do in your life. Ce sera ce qu'il n'a fait avec aucune personne avant. Done with no one else before. Pendant que je parle, as I'm speaking, une onction est sur toi. An anointing is upon je you. La libère maintenant. I liberate it right now. Tenez-la très fort. Hold her very j'ai libéré well. Cette onction. I liberate this anointing. Badashada. Tenez-la très fort. Ça va devenir plus fort encore. J'aime les exceptions. I love exceptions. Maintenant, nous allons prier. We're gonna pray. Et c'est la dernière prière. And this is the last prayer. Tous ceux qui sont en train de passer par des sérieux problèmes d'argent, issues, money, dans le mariage, marriage, des problèmes de santé, health issues, s'il vous plaît, please, mettez juste votre main droite en l'air. Right. Nous ne prions pas pour que Dieu agisse par we'll le prophète. By, nous prions pour que Dieu agisse par Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que de manière exceptionnelle, Dieu peut te faire sortir de cette situation? Amen. Je sens que je dois encore te toucher. Viens. Père de grâce, je veux que dans ce culte exceptionnel où nous sommes en train de célébrer une année de Divine Grace, je prie Père I pray, Father, que de manière exceptionnelle way, les gens reviennent dans cette église will return to this church et disent au pasteur Emma, Pastor Emma notre Dieu est exceptionnel. God is an exceptional God. Il a libéré telle chose. He liberated il a libéré such telle chose. He liberated such Seigneur, fais un travail Lord, profond. Do a deep work. Fais un travail profond. Do a deep work. Fais un travail profond. Do a deep work. Fais un travail profond. A deep work. Que ton rêve s'accomplisse. May your dream be fulfilled. Tu es assez forte pour la saisir. You're strong enough for the season. Wow. Fidélité est grande. Est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Déclare ensemble. Grande est ta fidélité. Pendant que je voudrais prier, il y a quelque chose qui veut se passer. Chante encore. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Tu es fidèle, tu es fidèle. Fidèle.
demande avec joie. Mon Jésus est fidèle. Avec tes mains, avec la joie. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu me connais. Tu me connais. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, mon Jésus est fidèle. Je sers la gloire. Mon Jésus est fidèle. Maintenant, il est fidèle la vie entière. Prends cette gloire. 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 Écoutez, écoutez. K O A. Voici. 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 Le nom de Voici vient de qui? Je suis en train de voir. I'm seeing. Village. A village. Le village où je t'emmène, c'est ton village paternel. The village where I'm bringing you is a paternal village. Tu as déjà été là. Have you ever been there? Je vais commencer à te le décrire. I begin to describe it to you. Je vois un village. I see a village. Il y a un côté où il y a comme des montagnes. There are mountains on one side. Et entre les montagnes, je vois comme une rivière. I see like a river. Yeah. Tu as déjà été là. Have you ever been there? Confirme-moi ces choses. Confirm these things to me. Je vois comme une rivière. I see a river. Dans cette rivière, in that river, toutes les personnes every person qui avaient porté le nom de Kwasi, who had the name Kwasi, on les avait comme sacrifiés they were sacrificed à cette rivière. To this river. Parce que le principe, c'était because celui-ci. The principle was dans l'enfance, on avait l'habitude d'amener les enfants au village. The children to the village. Une manière de les faire découvrir leur village. Mais il y avait des rituels but qui se passaient. Rituals happening. Il y avait des rituels there qui se passaient. Je suis même en train de voir des gens portant des habits blancs. Wearing white clothes. En train de faire comme des cérémonies. They're doing the ceremonies à côté de la rivière. Beside this river. Mais pourquoi vous, on a fait des rituels exceptionnels? Why were exceptional rituals done? Parce que quand vous regardez du côté de votre because père, when you look at your father's vous êtes une famille royale. You are a royal family. Vous faites comme une famille princière. You're like a royal family. Ce soir, tonight, Dieu God a pitié de toi. Has mercy on you. Man. Et quand je dis Dieu a pitié de toi, when I say God has mercy on you, je suis en train de voir I'm seeing comme des joyaux de diamants like diamonds, en train de sortir de cette eau. Coming out from yes. The water. Et Dieu me dit, and God is saying, il est en train de libérer non seulement ta he's vie, not only your life, mais il libère toute ta famille. But he's liberating your whole family. Amen. Amen. Mireille, tu es où? Mireille, tu es où? Where is Mireille? Mireille, tu es où? J'aime la grâce de Dieu. I love the grace of God. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. À l'époque, tu servais beaucoup Dieu. At the time, you were serving God a lot. Tu contribuais beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Contributing into the work of God a lot. Et tu as lâché. But you stopped. Parce que tu as été déçu. Because you were disappointed. Je ne suis pas en train de savoir, en train de vouloir savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas dans les détails, c'est un lieu public. Mais je te vois être très déçu. Dire même que les milliers des églises et tout ça, tu es devenu loin. Et tu sais ce que ça a amené? Parce que tu ne fais plus ce que Dieu voulait que tu fasses. C'est ça qui explique tous les problèmes financiers dans lesquels tu es.
Dieu me dit de prier pour toi. God told me to pray for parce you. Qu'il aimerait amener une grande restauration, a big restoration dans ta propre vie. In your life. Et Dieu me dit de te dire. And God is telling me to tell you, fais exactement ce que tu faisais avant. Exactly what you used to do paye before. Tes dîmes. Pay your tithes. Aide les orphelins. Help the orphans. Soutiens les gens. Tu as tout arrêté you stopped everything à cause de la déception. Because of disappointment. Et depuis que tu as arrêté, but since you stopped, ta vie est devenue une vie de pleurs. Your life became a life of tears. On s'est jamais vu. Because I saw. On n'a jamais parlé. We never spoke before. Je te vois dans une vie de beaucoup de pleurs. I'm seeing you in a life of a lot of tears. Tu sais pourquoi tu vis toute cette série? And you know why you're experiencing all parce these things? Parce que tu t'es détaché. Because you detached yourself. De ce que tu devais faire pour from Dieu. What you had to do for Dieu God. Te réclame. God is calling tu you fais back. Partie des personnes you're among the people qui sont sorties de la famille that came out of the family, comme des Joseph. As Josephs. Beaucoup de choses de ta famille tournent autour de toi. Many people in your family are revolve around you. Malgré ça, despite that, tu as régressé dans la prière. You went down in prayer. Et puisque tu es élevé, and because you lifted up, tous les combats maintenant tournent autour de toi. Fights, ainsi me parle le Seigneur. Thus says the Lord. Dieu veut te restaurer. God wants to restore you. Prends aussi la décision. But also take the decision. De te réengager. To recommit yourself. Travailler pour Dieu. To work for comme God. Comme tu le faisais as you used to do après, before. Après, tu dois pardonner. You have to forgive then. Je vois comme trois hommes de Dieu. I see three men of God. Trois hommes de Dieu. Three deux hommes God, two men, et une femme. And one woman. Tu les as retenus dans you ton kept cœur. Them in your heart. Parce qu'ils t'avaient comme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. I don't know what happened. Libère-les. Set them free. Dieu t'introduit. God is introducing you in a new season. Amen. Vous avez des liens? Are you connected? Tu es juste venu pour la prière? Viens. Regarde. Le nom que je vais te citer, tu auras de la peine. The name I'll give you, you have a hard time finding. B-A-B-Y. Ça B-A-B-Y. Fait pas. Tu l'as trouvé? Have you found it? Cherche ta vie. Look for it. Abandonne. Cet enfant est venu dans un culte exceptionnel. This child gives an exceptional service. Introduis la dans un. Introduce him. La raboche. Tutoboshika. Ragagagagagaga. Cet enfant est très intelligent. This child is very smart. Très intelligent. Very intelligent. Et on veut mettre comme une distraction. He wants to be distracted. Je vois comme un papier qui est en train de se déchirer I devant ses yeux. Et Dieu est en train de me dire, and God is telling me, il fera des choses he will do things qui étonneront le monde. That will astonish the world. Tu as la bénédiction de Dieu. You have the blessing que les combats of God. Ne te touchent pas. May the enemy not touch you in the name of Jesus. Tu as trouvé qui? C'est qui? C'est ton frère. It's your brother, ton ancien beau-frère. Brother-in-law. Il est québécois. He's Quebecer. Je n'entre pas dans les détails. I'm not going into the details. Mais je vois simplement but I simply see que de cette famille-là, that from that family, il y a eu beaucoup de blessures également. There were a lot of hurts. Je n'entre pas dans les détails. I'm not going into details. Si vous me confirmez, je vous if you confirm, I'll say. Je suis un homme sage. Je ne peux pas dire des détails en public. I can't give details in public. Ça que les gens ont peur par moment des prophètes. Oh, ma caméra, ça va sortir. Non, non, non. Donc même quand on est prophète, on even est aussi sage, prophet, on est aussi respectueux. And we're also respectful. Donc si on n'enlève pas la politesse, hein, yes. Vous êtes d'accord avec moi, non? Respect. Donc il y a des choses que je te dirai pas. There are things I will not tell mais pardonne tout ça. But forgive all those. Si tu pardonnes, if you forgive, tu commences une nouvelle saison. You're entering a new season. Que le Dieu de cette église, and the God of this church, te surprenne. Will astonish you. Tu es venu avec une autre personne. You came with another person. C'est qui? Who is it? Et elle vient. Come. Je chanterai ta vie. Je vois que tu es venu avec une autre personne. I see that you came with someone else. Vous étiez en train de vous dire quoi dans les véhicules? What were you telling yourselves at the beginning? Au sujet des pasteurs, des prophètes, pastors and prophets. Dites tout ce que vous disiez dans les véhicules all that you were telling each other. Après elle, elle a dit quoi? What did she say? Which seeking change. Après, on a dit non, mais le problème c'est que
La plupart ne sont pas vraiment sérieux. Many are not serious. C'est ce que vous étiez en train That's de dire. What you were telling Je each suis other. Dans votre véhicule. I am in your car. Où la température de l'intérieur était de 23 degrés. J'entre maintenant dans les I'm détails. Now entering the details. Come on. En fait, je vous informe que je ne suis pas un docteur. I'm informing you that I'm not a doctor. Je suis un prophète. I am a prophet. Je n'apprends pas à prophétiser. I don't learn, I'm not learning Ça to prophesy. Ça fait des années que It's been years that I've been prophesying. Pendant que vous étiez en train As de parler, you were speaking to each other, après vous avez dit non parce qu'il y, said, y a un autre. There's another one. Lui, il vient de Kinshasa. He comes from Kinshasa. Dans l'église là, c'est In son that petit church, frère. It's his little brother. Vous avez parlé de pasteur And Rema. You spoke of prophet Rema. Aidez-moi un peu là. And myself as well a little bit. Mais vous vous êtes encouragé de venir. And you're encouraged to come. Welcome in the presence of God. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Bienvenue à l'endroit où Welcome to the place where Dieu parle même des conversations God speaks even of conversations qui étaient dans les cœurs. That were in the hearts. Je vais vous choquer encore. Can I shock you again? À Kinshasa, on appelle ça le traumatisme prophétique. In Kinshasa, we call it prophetic trauma. À un moment dans la vie, il faut traumatiser les gens. Often in times, you have to traumatize people. Qui disent même oh. So they could say oh. Parce que là maintenant. Because now. Je peux même donner je peux même commencer à donner les montants. I can begin to give the amount of the money. Qui a dans le wallet. That is in your wallet. Tout est clair. Everything is clear. Je vois une Bible autour de vous. Vous êtes un homme de Dieu. I see a Bible around you. You are a man of God. Vous servez le Seigneur. You serve the Lord. Je vois une Bible sur I votre see a Bible upon your chest. Vous êtes un homme de Dieu. You are a man of God. Mais qui est passé aussi par beaucoup de difficultés. You went through a lot of difficulties. Que j'ai pas. Can I speak? On s'est déjà vu. Have we seen each other before? En songe. In dream. En vision. In a vision. WhatsApp. WhatsApp. Facebook. Facebook. Imo. Imo, Twitter, Snapchat, Instagram. Donc on sait jamais. So we've never seen each other. C'est la première fois. This is the first. Bienvenue à Divine Welcome Grace. Welcome to Divine Grace. L'endroit où le the ciel est ouvert. The place where the heavens is open. Dieu révèle les and détails. God reveals the details. Maman, revenez d'abord. Please come back. Même quand vous êtes en train de partir Even parce que vous avez des occupations. Because you have things to do. Je dois prendre la route parce que j'ai peut-être de dire. Mais toi-même, malgré que tu souris là. Even as you're smiling. Moi, en te regardant, je vois des larmes. In looking at you, I'm seeing tears. Je prends seulement ta phrase. I'm just taking your phrase. J'ai laissé les enfants. I left the children. Et vous pleurez beaucoup pour ces enfants. But you're crying a lot for those children. Je vois la main de Dieu dans la vie de ces enfants. I see the hand of God in the lives of these children. Entrez dans votre téléphone. Go into your phone. Ressortez-moi la photo que je suis en train de voir Bring où les enfants sont ensemble. Where I see the children together. Où je ne vois pas le bleu. And I don't je suis en train see de voir comme des couleurs I see colors qui sont en train de tango, my shadaga. That are like this. Les bras chaka. Ma soeur, mets-toi debout. Ma soeur qui est en train de non derrière. Ma soeur, mets-toi debout. Toutes les personnes qui sont sur cette rangée. Everyone in that row. Tout, non, papa, mets-toi, je vais localiser, je commence à voir. Et je vais sur l'avant-dernière rangée. The second last row. Cherche-moi quelqu'un qui a du vernis au doigt. Someone who has nail polish on their fingers. Mais le vernis n'est pas bleu, n'est pas vert. It's not green. Ouais, des couleurs qui tendent vers le rose, orange, tout ça. Almost orange. Amenez-la. Parce que je vous demande de vous lever, vous ne voulez pas vous lever. Je commence à voir les détails. Si ça vous choque, donc c'est If comme it's ça. Shocking you. C'est ici où
les gens disent, oh non, this ce is sont where des people fétiches. Say, oh no, this is juju. Ils ne sont pas normaux. They're not normal. Mais frère, toi tu crois que quand Brother, quelqu'un marche avec Jésus, il sera normal? Do you think that if someone walks with Jesus, il ne that sera will be pas normal. Normal? They will not be il normal. Sera exceptionnel. They will be exceptional. Là où vous étiez, je voyais une maison. Where you were, I saw a house. Mais j'ai vu comme une tempête But qui secouait une maison. Like there was a storm qui secouait une maison. That was shaking the house. Et je ne comprenais pas, j'étais en train de chercher une personne là-bas. And I couldn't understand. I was trying to find someone there. J'ai entendu I clairement. Heard clearly, je suis le Dieu I am the God qui calme who calms les tempêtes de la famille. The storms of the family. Je ne sais pas quelle est ta famille. I don't know what your family is. Comment ça se passe? How things are Qu'est-ce going? Qui s'est passé? What happened? Quelles sont les choses que vous n'avez pas aimées? What are the things you did not Je suis like? Là pour te dire. I'm here to tell you, le Dieu que tu es venu the chercher God you ici came to seek here vient de calmer has just calmed les tempêtes the storms dans la famille. In the family. Rentre fièrement. You may go back dans with une pride. Langue, on dit rentre majundamment. Amen. Quand je vous disais que je voyais une couleur qui ressemblait presque à des couleurs. Color that was almost like this. Oui. Ma soeur est étonnée. Elle est en train de se demander comment il voit. How does he see it? Dis à ton voisin que Dieu te donne des yeux exceptionnels. May God give you exceptional eyes. Amen. C'est celui-ci qui a beaucoup de combats. Celui-ci. This one has a lot of battles. Celui-ci, le garçon, the boy, c'est lui qui a beaucoup de combats. Has a lot of battles. On a beaucoup combattu sa vie. D'abord, quand il était petit, since he was young. Je suis en train de voir qu'il est né très difficilement. Il y a eu beaucoup de combats autour de sa naissance. J'ai prophétisé sur la photo. Tu vois ça? Ajoute quelque chose. Regarde et prophétise. Look at him and prophesy. I see going and coming from the hospital. Prophète, viens, ajoute quelque chose. En regardant la photo seulement. In looking at the picture only. Je suis en train de voir la main de Dieu qui touche non seulement cet enfant, child, mais je vois une flèche qui allait tomber au niveau de Ottawa. Ottawa. Et quand ça touchait Ottawa, Ottawa, Dieu me dit, il est en train God de toucher aussi sa maman qui est malade et sa famille au niveau d'Ottawa. Après, quand je regarde la même photo, picture, je suis en train de voir qu'à l'âge de l'enfant grandissait normalement. He was growing up normally, mais vers 5 ans, but when he was 5, on a comme mis un pied they put a foot qui a commencé à combattre that began to fight beaucoup plus more, sa croissance, his growth, sa capacité mentale. His mental capacity. Regardez la photo, continue. Look at the picture and continue. Des tours fréquents à l'hôpital. He frequent going to the hospital. Et avec ça, je suis en train de comprendre une chose. I can understand one thing. Dieu est en train de montrer certaines prières. God is showing prayers. Au mois de décembre. In December. Avant d'entrer en janvier. Before going into January. Je vois la transition comme vers les 30, I see a transition from the 31st December. Ceci, a prayer where you're saying cette année, this whole year avec cet enfant, with this child le qu'il a eu, the problems we had 2019, it's stopping because in 2018 19, I'm seeing everything change. Attends que je complète. Let me complete. Quand après, elle est parler, allée à l'église. And then she went to church. Elle a donné une offrande. She gave an offering. C'est une enveloppe dans laquelle je vois un billet de $100. A $100 bill. Et Dieu me dit, comme and elle God est en train de pleurer en ce moment, time, la saison de pleurs vient de s'arrêter. J'ai vu dans sa vie, mais aussi dans, sa vie de, dans la vie de ses enfants, le cœur avait comme un peu du rejet face so aux hommes. À cause de déception du passé, elle s'était dit que je ne vais plus said, aimer encore parce que tous les hommes de soi. Mais Dieu me dit en 2019, il te fait encore grâce. Non pas seulement à toi, you, mais aussi à un nom de Laetitia que je suis Laetitia en train d'entendre. Laetitia, c'est sa petite sœur. Ils ont sister. La même ressemblance. They look alike.
il y a comme une différence, mais la ressemblance est plus au niveau des yeux. But they're look-alike elle se ressemble à Laetitia au niveau des yeux. They are like in their eyes, but the difference by their appearance. Et la prière que je disais, the prayer I was saying, je vois une position comme à genoux. I see that you were kneeling dans la chambre. In the room. Et mais quand vous étiez à genoux, but when you were kneeling, vous avez fait face vers le mur. You were looking to the wall. Et le mur que je vois, and the wall I'm seeing, je vois un angle comme triangle comme ça. I see like a triangle. Et l'Éternel me dit ceci. And the Lord is telling me. Pendant que vous étiez à genoux dans votre as chambre, you were kneeling in your bedroom. Dieu a créé la prière God pour granted the prayer for the child. Et je vois aussi un and I'm also seeing a plane going up. Ça va vers la France. It's going towards France. Ça va vers la France. It's going towards France. Qui est en France? Who is in France? Ça s'appelle prophétique traumatique. Pendant que le prophète est en train de parler, quand il disait qu'il la voyait à genoux, quand il l'a vue à genoux, elle a aussi prié pour que Dieu lui fasse grâce cette année, que la vie professionnelle se débloque. Elle a vu une porte s'ouvrir, mais Dieu me dit qu'il n'a pas encore fini là. Dans ce mois ici de février qu'on vient de commencer, il y a une autre porte qui vient de s'ouvrir pour ta vie. Bravo, c'est le as you said, another door opened in your life. Je suis toujours vers décembre. I'm still in December. Mais c'est pendant la nuit. But it's at night. Vers 22h12min15s. 10-12. Dieu me dit 15 seconds and 13. La prière que vous avez annoncée en ce moment-là, at that time, dans votre chambre. In your bedroom. Dieu vous justifie contre God is justifying you against this person in France. Qui est en France? Who is in France? Votre ex-mari, est-ce que my ex-husband, can we clap for the Lord? Je voulais juste te dire. I just wanted to tell you. Tu ne peux pas sortir you dans cannot un culte come prophétique out of a prophetic service alors que Dieu t'avait while déjà localisé God had already localized pour te you faire du bien. To do you good. Quand amen. Tu partais là, you were leaving, Dieu m'a dit, God was saying elle est en to me, train de partir. She's leaving, mais aujourd'hui, but today, d'ailleurs quand tu parles de ça, as you're speaking of a bedroom, je vois même que ce jour-là quand elle priait, I see that day she was il y a praying, à côté de son lit là, beside her bed, petite photo où je vois there's ses enfants a small picture of her children qui était même tombée ce jour even fell that parce qu'elle a commencé sa prière à 22h12 mais la photo est tombée 15 minutes après 15 minutes later, il était 22h27 it was 10 p.m. 27 minutes. Bon, vous êtes fatigué, so you're tired. Prophesy. We want more. Yes, Lord. We are here yes, until Lord. The night. Yes, Lord. No bougie. Yes, Lord. On est collé, serré, cimenté. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Tonner. Je reviens, yes, je reviens, Lord. Je reviens. I'm coming back. Je viens de voir comme des seringues. Des seringues. I saw syringes. Qu'on vient d'enlever dans le corps de mon corps. Et Dieu me dit, that was taken up on the body, tout problème de santé, every health issue, Dieu vient de se souvenir d'elle, God remembered her, à cause de ce qu'elle a fait, because of what she did, dans la vie, in the life. Donnez-moi un chiffre au hasard. Give me a number. 6. 6. 6. 6. Qui est né autour de 76? Who's born in 76? Around votre 76. Fils est né. Parce your que quand vous son, avez dit 6, on m'a ajouté 7. Six, they added seven. J'ai entendu 76. I heard 76. Mettez-vous debout. Please stand up. J'aime le prophétique. I love the prophetic. Amen. Qu'on n'a jamais parlé. We have never spoken before. Quand vous avez dit 6, when you said 6, Dieu me dit qu'il vient de faire monter quelqu'un. God is telling me he has made someone ascend dans votre famille. In your family.
qui est né en 76. Who was born in 76. Il vivra une gloire de Dieu. Is the glory of God. Qui va beaucoup vous consoler. That will comfort Parce you lot. Parce qu'il y a quelque temps, vous venez de faire une prière pour tous les enfants. Because you just prayed for all the children. Au passage du 31 au 1er. From the 31st to the 1st. Vous me confirmez pas. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Qui sont des Divine Grace? Venez vous mettre juste à genoux ici. Et on va prier pour vous. L'église, mettons-nous debout. The church, if you can stand up. Cette église nous a invités. This church invited us. Ils ont, oh, vous êtes nombreux. Vous êtes merveilleux. You're numerous and vous êtes you're souriant. Wonderful. You're smiling. Vous êtes beau et belle. You're beautiful. Dans cette église, personne ne dit amen. In this church, no one is saying amen. Après ça, c'est une église des sapeurs. Faut tout louper, papa. Vous ne jouez pas quand vous vous habillez. You're not playing when you get dressed. Oh, donc c'est vous qui nous avez invités. So you invited us. Tendez les mains vers le ciel. J'attends notre maman le temps qu'elle se mette à genoux. Oh, vous les aimez comme moi? Do you love them as I love them? Je ne sais pas si vous sentez qu'ils ont de l'avenir. I don't know if you feel that they have a future. Amen. Si tu ne sens rien, if you don't feel anything, c'est que tu viens d'entrer dans l'année terminale. That means that you've entered the terminal year. De la sorcellerie. Of witchcraft. C'est normalement tu dois aimer les gens. You will call people qui se sont sacrifiés. Who sacrificed themselves. Pour que nous soyons bénis. So that we could be blessed. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. We're going to commit them in the hands of God. Je vous dis la vérité. I will tell you the truth. Une église en une année ne peut pas avoir autant de gens. A church in a year cannot have so many people. Vous grandissez comme des géants. You're growing like giants. Amen. Amen. We receive. Donc, personne et rien. No one and nothing. Ne va arrêter votre vie. Will stop Amen. Your lives. Père, bénis tous ceux qui travaillent dans cette église. Père, souviens-toi Father, de ceux qui travaillent. Et donne-les. And give them. J'appelle sur chaque membre, upon every commençant member, par le pasteur, beginning by the pastor, jusqu'à celui qui va être membre aujourd'hui. The one who will be a member today. J'appelle I call le déclenchement the re-unleashing de la loi de l'exception of the law of the exception dans tous les domaines, in every area, spirituel, spiritual, physique, physical, matériel, material, intellectuel, intellectual, conjugal, financier, financial, loi de l'exception, the law of the exception. À partir de maintenant, from now on, comme vous êtes à genoux, as you're kneeling, que tous vos combats may all your battles prennent la même position que take the same position. Amen. À genoux. Kneel. Et nous posons un acte prophétique. And we place a prophetic act. Quand vous allez vous relever, when you will be standing up, que tous ceux qui avaient des problèmes, all those with issues, que tout dans votre vie, may everything in your life, reste debout, remain standing, et que la stabilité and may stability vous caractérise. Speak your vous character. Avez la bénédiction de Dieu you sur votre the blessing vie. Of God upon your life. Et je la libère. And I liberate it. Si vous êtes d'accord, if you're in agreement, donnez-moi un amen, amen, deux amen. Give me two amen. Amen. Mettez-vous debout. Please stand up. Bonne fête à vous. La deuxième année vient de commencer. C'est l'année de votre décollage. Je termine par une chose. I'm ending with one thing. Hier, je vous ai dit, vous voulez que je vous touche? Soyez béni. Be soyez béni. Soyez béni. Soyez be béni. Soyez béni. Be soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Que Dieu se souvienne de vous, de votre famille, de vos vies. Soyez béni. Oh, soyez béni. Be oh, oh, beaucoup de photos comme ça. Seigneur. Toutes ces personnes, all these people, nous libérons la grâce de we Dieu. Que Dieu soit avec vous. May God be with them. Soyez bénis, be soyez blessed, bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes extraordinaire. You're extraordinary. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed. Maman, tu as les mains de quelqu'un qui doit faire des grands business. You have the hands of someone who must do great businesses, but you don't know it. Soyez bénis, God bless you, man of God. Bless soyez you. Bénis. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous
Soyez béni. Soyez béni. Je vous bénis alors dans toutes les langues. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu amibariki. God bless you. Zamba nukwash. God bless you. Mungu alenga zamba. God bless you. Abdari. God bless you. Akuto ampala. Akuto ampanda. God bless you. Ajoute encore. Deus benson. En ivoirien, on dit à quoi je sais c'est bienvenu, mais Dieu te bénisse. En yoruba, c'est comment, comme les Nigériens. Bon, prenez comme vous voulez. Take as you want. Si vous êtes là également aujourd'hui, if you're here today as well, je vous ai dit que I told you that les responsables m'ont partagé that, leaders of the church shared veulent with me déjà à partir de cette deuxième année from the second year, penser à l'achat to bâtiment. Think of purchasing je bénis the building. Les personnes qui ont contribué hier. The people who gave yesterday. J'ai même vu une enveloppe ici. I even saw an envelope here that said purchase for the building. Si vous aussi, if you as well, vous voulez accompagner you cette église, like to go with this church, vous priez ici, you pray here, vous ne priez pas or you ici, don't even pray vous here, aimez les choses but de you Dieu, love the things of God, vous voulez bénir l'église, and you want to bless the church, en faisant que dans les années qui viennent, in the years to come, qu'ils aient un bâtiment, that they may have a vous place voulez of their own, les bénir you would like to bless avec $2,000, $1,000, $1,000, $500. Peut-être que vous n'avez pas été là hier. Perhaps you were not here yesterday. Mais vous voulez aussi vous dire, but you would also like to je vais contribuer. I'm going to contribute. Venez juste devant moi. Please come in front of me. En une minute. In a minute. Je remets le micro. And then I give the microphone vous êtes back. Fatigué de voir ma tête. You're tired to seeing my face. Les gens me regardent là et people are looking at me. They're saying. Et ici c'est au Canada. This is Canada. Les gens de l'Afrique sont toujours people comme ça. People in Africa, Africa ils are just like that. Ils prennent beaucoup de temps. They take a lot of time. Après ils nous prophétisent. And then they prophesy over us. Je voudrais que vous leur donniez des enveloppes et que vous juste votre nom right et le montant que vous sentez que vous pouvez contribuer librement. $1,000, $2,000, $500, $500. Venez s'il vous plaît. Please come forward. Faites ça avec joie et que vous juste votre joy. Nom. Just write your name. Vous êtes tout beau. Vous êtes tout beau. You're handsome. Vous le savez, n'est-ce pas? You know it, right? Vous voulez aussi contribuer? Hier, vous n'étiez pas là. If you were not here yesterday and you would like to contribute, je voulais juste que vous bénissiez l'église. We want you to just bless the church. Venez vite. Dès que please vous avez terminé, quickly. Je vais faire comme hier, done, déposer ça ici. As yesterday, please place it aidez-nous, on the altar. S'il vous plaît. Help us, please. Quand on vous appellera, when you'll be called, libérez ça de tout cœur. Please give it with all your heart. Que l'église so the church passe à une autre vitesse. Can go into another place. Imagine. Mais ça, je demande. But I'm asking, même si le pasteur Emma ne le veut even pas. Pastor Emma doesn't want it. Quand vous serez entré dans votre nouveau bâtiment, when you enter into your new building, please, s'il vous plaît, invitez-moi. Invite me. Je sais que vous avez dit on ne demande jamais, I know you je said demande. That you never ask. I'm asking. Invitez-moi. Invite me. Que je vienne quand même prier aussi that dans I votre come nouveau and pray bâtiment. In your new building. Amen. Vous serez là. Merci. Amen. Je prends Dieu à témoin. God is my witness. Et les anges. And the angels. Invitez-moi. Déposez ça please ici. Invite me. Please place it on the altar. Dès que vous avez écrit votre nom as soon as you've written your name et le montant que and vous voulez contribuer, you want to give. Mettez même le montant que vous give voulez contribuer. Give the amount ça. As juste well, please. Quoi d'autre? Phone number. Pour qu'on ne se retrouve pas. On a écrit Raïssa alors qu'il y en a 40. We parce don't want to mistake you with someone else. Merci. Je vais prier thank pour you. Ça. I will pray for it. Dieu vous bénisse. God bless you. Merci. Dieu vous bénisse. Thank you. God bless you. Aidez juste Divine Grace help à passer à Divine une autre Grace vitesse. To go into another c'est speed. Juste pour ça que je suis là. That is why I'm here. Et le reste, and then the rest, je vais partir I'm gonna go manger mon gâteau and eat my cake qui est comme une grosse Bible that ouverte is as a huge open Bible écrite en anglais. Written in English. C'est celle qui prend les photos. The one who's taking pictures. Prenez-moi cette photo. Please take me a picture of the quand cake. Quand je serai en train de manger. When I'll be eating it. Merci. Puissant Dieu d'amour. Mighty God of love. Je bénis la contribution de ces personnes. I bless these people's contributions. Ouvre-leur des portes. Open doors unto souviens-toi them. De leur remember vie. Their lives. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Entrez dans la joie. Go in with joy. Oh, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we clap unto the Lord? Juste, nous vous demandons juste quelques 5-10 minutes. We're asking you for 5-10 minutes, please. Parce qu'à la fin de ce because culte, at the end of the service,
Nous allons partager le gâteau avec le prophète. We're going to share the cake with the prophet. Et puis nous allons partager le gâteau de Divine Grace Gathering. Divine Grace Gathering cake. Et il y a l'agapé que nous allons and faire. We also have a fellowship there. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés please de partir. Do not be in a hurry to leave. Nous voulons partager ce repas we would like to share this meal ensemble comme une famille. As a family. Mais nous voulions profiter de cette première but année we wanted to take the opportunity of this comme first le prophète year, Joe Grace est là aussi. As Prophet Joe Grace is here as well. Nous voulons prier pour les responsables. We want to pray for the leaders. Quand le Seigneur m'a donné la vision when de Divine Grace, Divine Grace, vous aviez pu le voir dans le message. You saw it in the message. J'ai partagé avec Pasteur Roland Dallo, qui est Pastor mon mentor. Roland Dallo, who's my mentor. J'ai partagé avec le prophète Joe Grace, qui est mon Prophet père spirituel. Joe Grace, who's my spiritual father. Ils m'ont accompagné. And they went with me. Et ils m'accompagnent dans cette vision que Dieu m'a and donnée. Going with me in this that God gave et quand me, on a commencé l'église, when we began the church, j'avais dit à tout le monde, I told everyone je ne vais pas donner des responsabilités. I will not give responsibilities. J'aimerais que toute la première année, I want for the whole year, qu'on évolue d'abord, that we would just go on va forward, juste confier des tâches, and we're just gonna give tasks, et après on verra and comment on va évoluer. We'll see how we'll go. Alors là que nous avons pu établir les différents responsables as du département, we've established different department leaders, nous voulons juste prier pour eux like to pray for them et les recommander à la grâce de Dieu. Pour ceux God, qui sont là, qui ne sont pas de Divine Grace, here, Divine Grace, notre église, church, nous avons l'Assemblée Générale qui est l'église. Nous avons le Steering Committee, we have a steering committee qui travaille that works à mes côtés. By my side, nous avons le Management Committee, we have a management committee et le Comité des Partenaires aussi. And we have a Partnerships Committee. Après, les différents départements ils sont divisés en trois groupes. Nous avons des départements famille. We have family departments. Ça veut dire école de dimanche, Sunday jeunesse, school, youth, département des papas, des mamans, department of the father, qui est sous un membre that du comité, under du steering committee. One member of a steering committee. Il y a des départements de la croissance spirituelle et des cultes. Et des départements de outreach. Departments of outreach. Alors je vais juste appeler rapidement leurs noms. I'll quickly call their names. Et puis nous allons prier and pour we're eux. Going to pray for them. Amen. Amen. Pour l'équipe qui travaille avec moi dans le steering committee, the team that works with me in the steering committee, nous avons trois personnes. We have three people. Une qui n'est pas là parce one qu'elle who's not here, elle a eu à accoucher, because maman she Lydia. Just gave birth, Mama Lydia. Mais il y a quelqu'un qui est là, Papa but Roger, levez-vous. Here, Papa Roger. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît l'accueillir? Can we please welcome him? Papa Hervé Kabuya. Est-ce qu'on peut aussi l'accueillir? If you can please welcome him. Et il y a Maman Lydia. Maman Lydia. Ce sont les trois qui m'aident. These are the three people who help Papa me. Roger. Papa Roger coordonne tous les départements famille. All the family department. Jeunesse youth, et tout le reste. And the et Kedim dépendent de lui. Sunday school, they le all outreach. Outreach. Évangélisation, le suivi dépend de Papa Hervé. Follow-ups are under Papa Hervé. Et la personne qui gère and les cultes et la croissance spirituelle, c'est Maman Lydia. Is Mama Lydia. J'aimerais juste qu'ils se tiennent là. I want them to en me regardant juste. Looking at me. Je vais appeler les gens qui sont aussi dans le management committee, I will call people in the management committee qui font partie de notre administration that are part ainsi of our de administration. Suite. Vous la voyez souvent au four et au moulin. You often see her being so busy. C'est pas parce qu'elle a une capacité particulière. It's not because she has a particular elle a une capacity. Capacité particulière de Dieu. She has a et elle est partout à la fois. Spirit, a special capacity from God because she can be c'est everywhere elle at the qui est l'administratrice she's de Divine the Grace. Of Divine Grace. La sœur Mignonne. Sister Mignon. Elle va aussi s'avancer. She will also move forward. Beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi elle est many partout à la fois. Ask her why is she everywhere at the same time. Depuis le début avec les from avocats, toutes les signatures qu'on a faites avec elle. Et celle qui est chargée des finances, and the one who is in charge of the chief finance, financial officer, the chief financial officer, Maman Aimée, Maman Aimée. Masengu. Moi, le pasteur, je n'ai pas... C'est pas moi qui signe, je ne sors I'm pas l'argent. Signs, gives the money. Donnez-moi un peu d'argent là give pour mon carburant. Money for my gift. Je ne m'implique même pas de ce qui I'm est financier. Involved in financial dealings. Pourquoi parce qu'on dit ces pasteurs là sont des voleurs. They'll say these pastors are thieves. Avancez juste là. Notre secrétaire au niveau de l'église, our secretary at the church, celle qui prend les rendez-vous, qui prend tout, meetings and books meetings, la sœur Mariama Touré. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Can we please welcome her well? Amen. Mariama Touré. Mariama Touré.
Et il y a Papa Roger qui m'assiste encore Papa Roger dans le management, management committee pour certaines décisions. For some il y a un de nôtres, mais qui n'est pas There's là, one of us who is not here, qui est en Europe, who is in Europe avec son épouse, with le frère his Patrick. Wife, brother Patrick. Et dans ce même management committee, Within il y a une personne qui est chargée des événements que nous organisons. Maman Nathalie Kabuya. Elle va s'avancer, on va l'accueillir. Et la personne qui nous aide avec les réceptions des visiteurs, ainsi de suite, de fois, avant que je ne vienne, la sœur Arlettine Daywell. Elle doit être quelque part, qu'elle vienne rapidement. Restez seulement ici devant. Nous avons un comité des partenaires. Partnership committee avec lesquels nous avons avoir, nous allons avoir notre bus dans les deux semaines qui suivent. Have our bus in the coming two weeks. C'est dirigé par Papa Paulin. Levez-vous, Papa Paulin Katamba. Pour tout le pays. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Can we welcome him well? Un ingénieur, on dirait qu'il An a trois cerveaux. As if he has three brains. Il travaille avec Maman Jenny. He works with Mama Jenny. Maman Jenny avancée. Mama Jenny, please come forward. Et la sœur Noëlla. And Sister Noëlla. Sœur Noëlla avancée. Sister Noëlla, come forward. Dans le partnership, Papa Serge avancée aussi. Papa Serge, please move forward. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu? Welcome the man of God. Papa Olivier Mambou. Papa Olivier Mambou. Il faisait même le protocole, humble qu'il est. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? Can we welcome him? Restez juste debout. Please remain standing. Nous avons les départements. We have the departments. Les départements des cultes of services et croissance spirituelle. And spiritual growth. Nous avons le département de musique. We have the music department. Qui est dirigé par la sœur Eunice Kamwanya. Et la sœur Eunice, elle est secondée par la sœur Sissi. Et la sœur Philippine. And Sister Philippine. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Can we welcome them well? Les gens qui nous aident dans les cultes, qui placent les différents hosts, les facilitateurs des cultes, c'est dirigé par la sœur Lydia et elle travaille avec la sœur Yasmine Pomaleni. Le nom le plus long de Divine Grace. La personne qui se charge du protocole. Imbattable. Papa Kaba Ngalula. Est-ce qu'on peut l'accueillir bien? La personne qui se charge du média, la sœur Kezia Kawaya. Tout ce que vous voyez sur les écrans là, c'est elle qui s'en charge. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Celle qui dirige l'intercession, la maman aînée qui est là devant. Et la sœur Mariama. Et la sœur Gracie. Tu peux m'interpréter aussi par là. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager? Ceux qui font le service de cleaning et encore Papa Kaba. Et la sœur Belinda Kwasi. Elle va s'avancer, on peut l'acclamer. Les départements des familles. Family departments. La personne qui se charge du Children Ministry. The person in charge of the children's Maman ministry. Bibi. Maman Bibi. Elle est là. C'est elle qui voit les Kodim. Elle y travaille encore avec Maman Nathalie et la sœur Gracie. And myself. Ceux qui voient la jeunesse, those who works in the youth. Il y a la sœur Arletty, Sister Arletty, qui est là, la sœur Gracie, myself. Et le frère Ricky. And Ricky, brother Ricky. Ricky, Ricky. There he is! Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Can we welcome him with joy? Le département des femmes, c'est Maman Nathalie, Maman Nathalie qui travaille là avec la sœur Mignonne. Et le département des hommes, the men's department, Papa Richard Diankoulou. There he is. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Can we welcome him well? Papa Richard, Papa il Richard, travaille ensemble avec he works together Papa Serge. With Papa Serge. Et il y a aussi un papa qui travaille avec eux, also, Papa Dodo Mopadi. Il chante merveilleusement he bien. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir aussi? Can we welcome him well as well?
Et ceux qui regardent les couples, c'est encore Papa Roger, Maman Nathalie. Papa Roger, Maman Nathalie. Les diacres, c'est encore Papa Kaba. Pour les départements de Outreach, Department, l'évangélisation, Evangelism, c'est la sœur Yasmine, Sister Yasmine et la sœur Noëlla. Noëlla. Nous avons un cadre de discipleship. We have a discipleship. Il y a le frère Patrick. Brother Patrick. Il est là. He's there. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? Il travaille avec la sœur Arletty. He works with Sister Arletty. Et c'est encore avec Papa Hervé qu'on travaille pour les home cells. And we also work with Papa Hervé for home cells. Papa Kaba voit aussi Papa le Kaba charity. Also oversees Ça veut dire on est encore multipolaire. We're still being multifunctional. Multifonctionnel, c'est ça le terme. Mais on a, dans le outreach, nous avons commencé quelque chose de spécial à l'église. Outreach, we began something special in the J'étais church. Choqué d'entendre le prophète prophétiser ça. I was shocked to hear the prophet nous, prophesy nous commençons over un mouvement que nous appelons Be the Change. Saying, Be the Change. Nous voulons, nous sommes en train de faire des contrats avec des banques, des magasins, ainsi de suite. On va commencer stores, à prendre la nourriture. Une fois le mois, on Once prépare month, la nourriture pour juste donner aux gens à l'extérieur. Outside. Et dans ce groupe-là qui est en gestation, emerging, nous allons travailler avec Maman Mireille we'll Ikolo. Elle est Ikolo. Juste là. Que Dieu la bénisse. Avancez, avancez. C'est une reconnaissance officielle du ministère. Et on lui donne encore une année, deux ans, on voit comment il évolue. On va passer à ce qu'on appelle l'ordination. J'aimerais qu'il tienne bien la main de son épouse. Qu'on puisse m'aider à lui donner un micro. J'ai juste quelques questions pour lui. Somebody can help you move the microphone. Papa Roger Kabuya. Papa Roger Kabuya. Do you believe in God? And do you believe boldly and declare Jesus Christ as the Savior and the Lord and acknowledge Him as your only Lord and Savior and as the head of the church? If that's your answer, say with me, yes, I do. We didn't hear. Yes. Vous pouvez tenir pour lui. Do you believe the scriptures from the Old Testament to the New Testament to be the Word of God, inspired by the Holy Spirit, the unique witness to Jesus Christ, and the authority to Christian faith and life? Do you receive and adopt and be bound by the essential values of Divine Grace Gathering as reliable exposition of what the scripture teaches us to do, to believe, and will you be guided by them in your life and ministry? Yes, thank you. Relying on the Holy Spirit, do you humbly submit to God's call for your life, committing yourself to God's commission and fulfilling your ministry in obedience to Jesus Christ under the authority of Scripture and guided by our confession? Yes, I do. Will you be governed by Divine Grace Gathering policy and discipline? Will you be accountable to your fellow beloved and leaders as you lead and accept disciplinary measures in case of disobedience? Yes, I do. Do you promise to be faithful in maintaining the truth of the gospel and the peace and unity and purity in the Church of God? Yes, I do. Will you pray for and seek to serve the people with energy, intelligence, imagination and love? Serve them, not their money, with fear and trembling, and adopt monogamy as a style of living, and also respect them and keep their discretion? Yes, I do. I want to ask the church,
But before I get to the church, I have one question for Mama Nathalie. Do you accept that your husband be a minister in this church and ministry? And do you accept to accompany him in all the calling that God has given to him? Support him in prayer, knowing that he is not only your husband, but a slave of Jesus. If that's it, say yes, I do. Yes, I do. I want to ask Divine Grace Gathering one question. Divine Grace Gathering. We have here Brother Roger. Ici, nous avons le frère Roger. Do you accept? Est-ce que vous acceptez this day? En ce jour, that we consecrate our brother Roger Kabuya as a minister in this church. If that's your answer, say yes. By the grace of God. Yes, by the grace of God. Will you pray for them, for him? Support him. Spiritually, financially, with whatever God will give you, and help them achieve the work that they have to do. If that's your answer, say, if it's yes, say also yes. By the grace of God. Yes, by the grace of God. I'm going to ask all the church to stand. While I'm going to ask Minister Roger to kneel down. And Mama Nathalie to kneel down. I want my spiritual father to come again. We are going to anoint him. Can you give, bring me the anointing oil? We're going to pray for him. That God will give him strength. Is our first that we dedicate today. The list is very long. We will still do huge work. Amen. I want us to pray for them. Lift up your right hand towards them. And if you are here, you are a minister of the gospel. Called and consecrated, you can please join us here forward as we are praying for Minister Roger. By the authority that the Lord has given me, this day, I come to pray for you, Brother Roger Kabuya, together with your wife. In Jesus' mighty name, I consecrate you to the ministry that the Lord has given you. And I declare and decree that the blessing of God will accompany you all the days of your life. And as the Lord is putting you in this charge of the ministry, to be the minister of his gospel, I pray that the Holy Spirit will continue guiding you, and that the Holy Spirit will continue lifting you on high, that you may reach the best in your calling. In the name of Jesus, I declare that you will be far from compromission. You will be far from sin. You will be far from falling out of the doctrine. You will be far from apostasy. I declare in the name of Jesus, may the Lord keep you and cover you under his wings. And as I pray for you, this anointing that I'm pouring on your head, I declare that you enter in a new season, that you will reach the maximum into the calling that the Lord has given to you. And I consecrate you to God. And together here, Divine Grace Gathering, we officially recognize you as a minister of the gospel in the mighty name of Jesus. And we seal this prayer with the seal of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, we pray. You want Papa Gaston to pray as well? Papa Gaston, please pray. And the prophet va dire un mot. Lord, I thank you for this moment. Je te remercie pour ce moment, Seigneur.
This is an exceptional moment. C'est un moment exceptionnel. We got your word today. Nous avons reçu ta parole aujourd'hui. We felt your anointing. Nous avons senti ton onction. Oh, thank you for this church. Merci pour cette église. Oh, thank you for everything. Merci pour toutes choses. We saw the angels around. Nous avons vu les anges tout autour. We praise you, Lord. Nous t'élevons, Père. For our brother. Merci pour notre frère. Thank you. Merci. For his ministry. Pour son ministère. Equip him. Équipe-le. Bless him. Bénis-le. Bless his wife. Bénis son épouse. Put them together. Remets-les ensemble. To save you. Afin de te servir. Amen. Amen. Père, au nom de Jésus, Father, the name of Jesus, je te prie simple I pray simply de marcher avec toi. That you may walk with the Lord. La Bible déclare, the Bible declares, c'est quand tu marcheras avec nous when you walk with us, que nous serons distingués that will be distinguished de tous les peuples. Every other people. Marche avec lui. Walk with him. Dans cette nouvelle tâche. In this new task. Marche avec tout son épouse. March, go with his wife. Selon la prière. Receive the prayer. Que son pasteur a fait. That his pastor prayed over them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Church. I gladly want to introduce to you. Is recognized as a minister of the gospel. May the Lord bless you. May the Lord go with you. And may the grace of God be over you. In Jesus' name. Alleluia! Est-ce que tu peux me dire un jour tu vas me faire un jour?